quelle sorte de vie? Suis-je la seule femme au monde à être mariée à un businessman qui est trop ambitieux? Je veux dire, ces hommes qui ne veulent plus dormir chez eux. Mais qui se fout de qui? Regarde-moi. À mon âge, j'ai toujours pas d'enfant, juste parce que mon mari ne passe pas trop de temps à la maison. Je pensais vraiment que j'allais accepter cette vie, peu importe s'il était loin de moi. Mais... C'est bien moi. Je suis là. Oh. Ah, c'est une clé de contact. Bien sûr. Tu ne le vois pas? C'est une clé de contact et ça m'appartient. Mon chief l'a encore fait pour moi. Oh! Je n'y crois pas. Ah, tu dois y croire, ma chérie. C'est un homme merveilleux. Ma chère, mais bébé, écoute d'abord. Tu sais comment ces choses marchent, non? Qu'est-ce que tu es en train de parler maintenant? Je n'y crois pas encore. Alors je dois aller vérifier moi-même à l'extérieur si tu m'as pas menti. Ma chère, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la vérité est que c'est ma propre voiture. D'accord. Tu peux aller vérifier. Je m'en vais, c'est bon. Ok. Tu ne me crois pas. Bébé. D'accord, j'attends. Wow! Je suis très contente pour toi, ma chérie! Ah, vraiment? Wow! Félicitations! Je suis très contente pour toi, je te dis. Tu m'as maintenant cru. Je t'ai dit qu'il l'a juste fait comme ça. Oh, mon Dieu! Tu sais quoi, hein? Nous devons aller célébrer. Vraiment? Alors, va à l'intérieur et prends une champagne! Non, 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 pas dans cette maison.
Je vais te faire sortir et t'offrir. Ma chère, Chief m'a surpris. Tu sais quoi? On devait acheter une voiture de 4 millions de Naira. Et Chief, lorsqu'on était arrivé, il a acheté une voiture de 3 millions de Naira. Et le 1 million restant, Chief me l'a donné. Hein? J'ai 1 million de Naira. Alors, ma chère, je vais te mouiller avec de bière jusqu'à demain matin. Tu as raison, ma chérie. Tu as raison, je te dis. Allons-y, c'est bon. Oh, ma chérie, félicitations. En tout cas, vraiment, merci. Je suis très contente pour toi, tu sais. C'est bon. Ah, bien sûr. Tu sais, je vais t'inonder aujourd'hui. Ah, ma chérie. Je te dis, tu es chanceuse. Sous-chanceuse. Sous-chargée. Ma chérie, c'est comme dans un rêve. Je suis fâchée. Je suis jalouse. T'es vraiment sûre? C'est ton problème. Non, je suis pas contente. C'est ma voiture. Tu n'as qu'à te faire foutre. Oh, ah, ma chérie, tu es la plus douce femme du monde. Ah, si tu le dis. Chérie, il faut que je rentre chez moi aujourd'hui. Pourquoi? Hein? Ah non. Tu as oublié que nous étions d'accord de passer le week-end ensemble et ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as oublié que je suis une femme mariée? Regarde-moi, chérie. Je ne peux pas passer beaucoup de temps chez toi sans savoir si tout va bien dans ma maison. Ok, c'est bon, c'est bon. Je pense que tu vas juste rentrer à la maison et t'assurer que tout se passe bien. Et après, tu vas me ramener tes fesses très sexy. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'objectif. Je suis désolé, madame. Bon après-midi. Je suis en train de chercher la maison de monsieur Michael Peters. Oui, c'est ici. Et j'ai un petit courrier pour madame Laura Peters. C'est ça? Oui, c'est moi. Ok, accorde-moi une minute. Oui, ce courrier vient exactement du palais du roi et moi, j'ai été envoyé pour vous le déposer. Ok. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous signer? Oui, bien sûr, je vais le faire. Oh mon Dieu, madame! Oui. Et est-ce que ça va? Oh, vous vous êtes... Ok. Votre jambe?
Oh, je suis désolée. Y a-t-il quelqu'un à la maison qui peut vous aider? Ok. Ok, bon, laissez-moi ramasser pour vous. Est-ce que vous pouvez du moins marcher? Est-ce que vous pouvez marcher? Ok, avançons lentement. Alors, on va y aller lentement. Lentement, ça va aller. On y va. Et ça va. Oh, je suis désolé. Est-ce que vous avez toujours mal? Oui, ça fait mal. Oh, je suis désolé, vraiment. Est-ce que vous avez quelque chose à la maison, même une bombe pour que je non, puisse... Non, je n'ai pas ça. Je pense que je vais aller acheter ça à la pharmacie. Vous êtes sûr? Mais laissez-moi vous y même aller à la pharmacie. Non, tu n'as pas besoin de faire ça, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez du même marcher. Ok, va travailler. Je me sens assez bien. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je dois déjà vous laisser. Ok, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, pouvez-vous signer ici pour que je reste avec vos informations? Ah, ok. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors, prenez soin de vous. Je passerai d'un jour à l'autre pour voir comment vous allez. Est-ce que c'est toi que j'avais vu l'autre fois à la salle de gymnastique? Je crois bien. Oui, je pense. Ah, ok, c'est bon. Je t'ai reconnu. Ok, merci. Je vous en prie, madame. Et si je voulais envoyer une lettre, cela passera aussi par ton entreprise? Bien sûr, madame. C'est tout ce que nous faisons. Nous sommes capables de ramener le courrier partout à Nigeria, madame. Ah, c'est beau, alors. Laisse-moi, alors, prendre ton numéro. Ok. Oui. C'est bien. Alors, tu as dit que tu t'appelais Franck. Oui, c'est bon, merci. Oui, merci beaucoup, merci, madame. Prenez soin de vous. Je le ferai. Il est si beau, je ne peux pas le croire. Darren, tu es une femme mariée. C'est impossible. Salut chérie, comment vas-tu? Je vais très bien chérie. Et comment là-bas au Nigeria? Le Nigeria va bien, juste que tu manques beaucoup. Mon mari est en train de me manquer. Toi aussi tu me manques énormément. Je le comprends. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'argent venant du Malaisie. Je suis en train de travailler assez dur pour nous. Ok? Je sais. Je te comprends, bébé. Oui, je te comprends vraiment.
Juste que je ne sers plus à rien, tu sais, non? J'ai besoin de mon mari. Ok. Pourquoi ne pas appeler ta petite sœur pour venir vivre avec toi? Dois-je considérer ça pour un oui? D'accord, mon amour. Je veux juste t'appeler pour écouter ta voix. Mais s'il te plaît, prends très très bien soin de toi. Merci, bébé. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Bye, bébé. Prends soin de toi, bye. Ok, je le ferai. Bye. Bye. Je ne peux jamais accepter que quelqu'un vienne vivre avec moi. J'aime ma vie privée et aussi ma liberté. Non, ça ne sera pas possible. Désolée. Elle va trouver d'autres choses à faire. Non, ça ne sera pas possible. Désolée. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as ce visage? Je n'ai pas retrouvé ça. J'ai demandé à toutes les personnes qui travaillent dans le supermarché et ils ont dit qu'ils n'ont pas retrouvé ça. Je ne peux pas croire que j'ai perdu mon téléphone. Et j'avais aussi essayé d'appeler, mais ça ne passe toujours pas. Maman, même tes amis ne le savent pas aussi. Je ne peux pas croire que j'ai perdu mon téléphone. À part les contacts de mon téléphone, tu sais, j'ai plusieurs informations dans mon téléphone et je ne sais pas quoi faire. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Seigneur. Donne-moi ton phone pour essayer encore. Ok, ok. S'il te plaît, amène-moi un verre d'eau. Essaye encore de rappeler. Ça sonne? Ça sonne. Oh, allô? Bien, ma chère, comment vous allez? Je suis le propriétaire de ce téléphone que tu es en train d'utiliser maintenant, oui. Je l'ai perdu, je ne sais comment. Pardon, je m'en fous. Si tu as besoin d'argent, je vais te le donner. Je vais juste récupérer mon téléphone, s'il te plaît. Tu ne vas pas prendre de l'argent? Oh, tu es vraiment gentil. Où est-ce que je peux venir récupérer mon téléphone? Chez vous? Oh, je vois ça. Vous sortez? Quand est-ce que vous allez rentrer? Vous ne savez pas. Oh, tu veux amener ça chez moi? Oh, c'est vraiment gentil de ta part.
Laisse-moi te donner l'adresse alors. Les numéros 4 de l'avenue Uvi. Oui, dans l'état de Urvi. Derrière l'avenue Obanama. Je pense que tu sais de quoi je parle. Oui, merci. Je vais t'attendre. Que Dieu te bénisse, merci. Oui, je ne peux pas croire ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu nous as entendus. Tu nous as bien entendus. Elle a dit qu'elle sortait et elle ne savait pas à quelle heure elle allait rentrer. Parce qu'elle veut venir chez nous. Ouais, c'est pour maman. Est-ce que tu peux maintenant m'amener un verre d'eau? Non, attends, quoi? Attends. Si je réfléchis bien. Ça peut être un mensonge. Arrête ça. Mais maman, attends. C'est toi qui as perdu ton téléphone. Tu lui as dit d'aller le récupérer. Elle a dit non. Qu'elle va l'emmener elle-même. Maman, réfléchis bien, non? Maman, réfléchis très bien. Ce genre de choses ne s'y font plus. Rien ne va se passer. Elle va me ramener mon téléphone. Je prie. Oh. Pardon, va me prendre ces verres d'accord, d'eau. D'accord, je te l'emmène, maman. Hey, je ne peux pas croire à cela. Oh, waouh, mon téléphone. Oh, mon téléphone, je vais retrouver mes contacts. Fais vite! Salut. Oui, vas-y, bon ferme la porte. Maman. Bon après-midi, ma fille. Bienvenue. Je présente ma maman. Oh, ok. Ravie de vous rencontrer. Très heureuse de vous rencontrer aussi. S'il vous plaît, asseyez-vous. D'accord, c'est gentil. Désolée d'être venue en retard. J'avais beaucoup de courses à faire. Voici le téléphone. Merci. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. J'ai enfin récupéré mon téléphone. Oh, mon Dieu. Merci c'était beaucoup. C'était tombé lorsque vous cherchiez à entrer dans votre voiture. Alors, j'étais en train de vous appeler, mais vous ne m'aviez pas entendu. C'est un peu ça. Tu sais comment c'est. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Mmh. Alors, comment tu vas? Oui, ça va bien. S'il te plaît, laisse-nous te donner quelque chose à boire. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien, maman. Je suis passée juste pour vous les déposer, ça suffit. Merci beaucoup. Bonne soirée. S'il te plaît, ne pars pas. Ah, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas quelque chose que j'apprécie beaucoup quand quelqu'un est vraiment honnête et ça rend vraiment belle. Merci beaucoup de m'avoir amené mon téléphone. Vous me faites du bien. Je te fais du bien. Et c'est quoi ton nom? Je suis Karine. Oh, Karine. C'est vraiment un joli prénom. Merci. Pour une jolie fille. Karine, je peux te poser une question très personnelle? Il n'y a pas de problème. Es-tu mariée ou célibataire? Maman, pourquoi cette question? C'est quel genre de question? T'inquiète, je vais répondre. Bien, je suis 100% célibataire. Bon, pour le moment, hein? Ça, c'est très bon, ça. Tu sais, j'ai un frère qui est aussi célibataire et qui fait de recherches. Êtes-vous sérieuse? Vous ne savez pas s'il va m'apprécier. Est-ce que tu es en train de me charrier avec tout ce que je vois là? T'es derrière? C'est exactement ce qu'il aime. Et il habite en Malaisie. Malaisie? J'aime la Malaisie. Vraiment? Bien sûr. Oh, bien, bébé, comme ça, il va t'amener à Malaisie. Maintenant, on va te prendre quelque chose à boire. C'est D'accord. bon? Oh, j'aime ta fraîcheur. Merci, maman. Mm-hmm. Je prendrai un pour vous. Vraiment? Ouais. Ça sera bien sur moi. Pourquoi pas? Oh, si tu le dis. Maman, sauras-tu le mettre? Tu es très amusant, maman. Je le suis. C'est très gentil. Tu es vraiment jolie. Ok, avant que tu ne partes, j'aimerais te présenter ceci, mon bébé. Ça, c'est pour moi? Oui, bébé. Waouh! Wow. Est-ce que tu aimes? Je préfère ça. J'adore ça. J'adore ça, oh, chérie. Je suis très contente. Waouh! Tu sais que... Beaucoup de filles, en fait, beaucoup de filles se mettent en position de demander. Elles veulent juste qu'on puisse leur donner. Oubliant même qu'une seule fois, les hommes cherchent à ce qu'on puisse leur donner même une petite chose comme ça. Exactement, chérie.
Tu sais que je ne suis pas comme ça. Oh, madame, merci beaucoup. Je t'en prie. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et les boulots? Oui, ça se passe bien, grâce à Dieu. Vous avez une très belle maison, madame. Merci, je te crois. Madame, qu'en est-il du colis que vous devriez envoyer? Je dois déjà l'apporter, c'est prêt? Ce n'est pas encore prêt. Ce n'est pas encore prêt. Ok. Comment va votre jambe? Ça fait toujours mal. Ça vous dérange toujours? Bien sûr, ça fait toujours mal. Montrez-moi un peu. Dites-moi, ça vous dérange? Oui, juste là. Oui, je me rappelle. Oui, ça me fait vraiment mal. Dites-moi où est-ce que ça dérange plus? Ça dérange ici? Oui, ça fait mal partout ici. Ok. De ce côté. Ici. Non, non, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vous êtes une femme mariée, je ne peux pas troubler votre mariage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Ça, ce n'est pas une bonne décision, ok? Tout va bien et je suis une femme mariée qui n'a pas vu son mari déjà depuis 2 ans. Quoi? Et je fais avec. 2 ans déjà? Oui. Alors arrête d'être comme ça. Tu sais, je fais tout ce qu'il faut pour essayer moi-même de survivre. Ah, alors arrête d'être comme ça. Oh. Et je ne peux pas le faire maintenant. Je suis en plein travail. S'il vous plaît. Nous avions déjà commencé. On n'a qu'à à finir. Non. Ce que tu es en train de chercher, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et je ne suis pas n'importe qui, ça me prend suffisamment de temps. Je crois que tu as compris. Ok. S'il te plaît, on peut pas faire ça maintenant. Alors, je comprends. Maintenant, je suis déjà prêt à partir. Waouh. J'espère que personne ne va nous surprendre. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je t'ai dit que mon mari avait voyagé depuis longtemps. Oh, ça, et j'habite seule ici. Je sais. Tu sais, chérie, rien ne dérange un homme plus qu'une femme qui le trompe. Alors, l'attraper vraiment en flagrant délit, c'est terrible. Mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que je t'ai dit que mon mari m'est trompé? Non, ma chérie, on est en train de blaguer. Ne te dérange surtout pas. Je veux juste me rassurer que je suis à l'aise. Bien sûr que ta sécurité. Est-ce qu'on peut... Je pense qu'on doit organiser quelque chose pour passer du temps ensemble. Madame Laura, s'il vous plaît, il est déjà tard et je ne suis pas sûr qu'on devrait faire cette chose-là à deux. Il fait tard. Je peux venir chez toi ou bien tu peux aussi venir chez moi. Vous savez, je n'ai pas envie de vous racler directement. Il est tard et est-ce qu'on peut le faire après? Je veux dire, on peut le faire un autre jour. Tu vois, ça n'a pas été facile pour moi de t'appeler à 7 heures pour que tu viennes chez moi. Juste que je voulais un peu dormir et que je ne pouvais pas t'enlever de mes pensées. Tu peux toutefois me donner l'adresse et je viendrai chez toi. Ok, c'est bon. Je vous rappelle, d'accord? Je vous rappelle. D'accord.
Allô, Franck? Vraiment? Hey! Je suis vraiment contente que tu lui aies enfin parlé. Ma sœur, tu sais que cette fille est bonne pour moi. J'espère que tu as vu ses photos dans les réseaux. Cette fille, elle est jolie et elle a aussi une très belle vie. Elle est vraiment friquée. Tu sais de quoi je parle, non? Et si tu voyais ses derrières? Hey! Ce genre de personne que tu aimes. Je te connais, tu es mon frère. La fille est vraiment élégante et elle est vraiment belle. Et d'ailleurs, tu sais que c'est une fille très honnête. Je te dis pas, c'est le genre de fille qui va prendre en charge tes ressources. Tout l'argent que vous allez dépenser et tous les entrées, elle va bien le gérer. En fait, c'est une femme parfaite. Si tu veux bien m'écouter, tu vas l'aimer. Sinon, un autre homme va la prendre. Nous sommes exactement en train de dire la même chose, ma grande sœur. Mais seulement, je ne peux pas l'amener ici. Ici, à Malaisie, les choses ne s'y passent bien, surtout pour les femmes. Elle est... Les genres d'affaires que nous faisons ici, en Malaisie, ce n'est pas du tout intéressant pour les femmes. Alors, c'est mieux qu'elle reste là-bas. Je t'ai dit vraiment. Je pensais que tu allais venir pour que vous puissiez passer du temps un peu ensemble pour vous connaître. Ah oui, ma sœur, en tout cas, je prends en compte tes propos. Je vais vraiment essayer de mettre en pratique tous tes conseils pour que j'essaie un peu de la connaître et que nous vivions mieux, oui. Ok, pas de problème. Je vais faire de mon mieux. Hein? Ok. Ok, fais ce que moi je te demande de faire. S'il te plaît, prends bien soin de toi. Ne t'en fais pas, ma sœur. Rappelle-toi de la famille d'où tu viens. Et je sais, ma sœur. C'est bon? Ne t'en fais pas, ma sœur. Prends bien soin de toi. Ok. Bye. Ah, oui. Ah, bien sûr qu'elle est une bonne fille. Oh, mon Dieu. Si les mariages étaient juste comme ça, je ne sais pas pourquoi les femmes se plaignent. Parce que j'ai tous ces dons je veux. Je reçois de l'argent quand je n'ai même pas besoin de ça. Et j'ai ma liberté et ma vie privée. Tu sais? Ah, je suis d'accord avec toi, Rose. Mais il ne faut pas que nous puissions oublier que ça peut se terminer au coin de la rue. Cela veut dire? Cela veut dire que nos maris peuvent se décider de rentrer auprès de nous et que nous ne puissions plus vivre ce genre de vie. C'est mon point de vue. Pardon, qu'il trouve un moyen de rester là-bas parce que je n'ai pas besoin qu'il rentre. Je ne peux pas prendre tout ceci au sérieux. Tu as raison sur ça, mais on le fait quand même. Alors, dis-moi au juste, qu'est-ce qui se passe? Rien ne s'est passé, Rosa. Je suis toujours la même, rien ne s'est passé. Oh, s'il te plaît, mon ami. Ne me dis pas que tu as déjà oublié comment... Comment tu t'es plaigné que ton libido allait se casser à l'intérieur de toi? Et tu es là à me dire que rien ne s'est passé? Non, je ne crois pas à ça. Folle furieuse, laisse-moi juste te dire. Et que mon désir est en fait accompli. Oui, ça devait être comme ça. Qui est-ce qui peut briller sans avoir toutes ces choses-là? Ma chère, tu sais, ce garçon est venu juste à l'improviste. Oh! Je te dis, tu sais, parfois, j'avais l'impression comme si ce n'était plus moi, quoi. Donc, tu étais comme si la maman avec son enfant. Je te jure. Tu sais, quand il est venu, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme s'il y avait un foulard qui couvrait mes yeux et qui n'avait plus sa place. Oui, Les femmes de roi de Malaisie. Et qui ont aussi l'air friques. C'est quel genre de femme Dieu. Comme ça? Tu ne manges pas? Ma chère, mange. Mangeons. On a même oublié de manger. Ça, c'est quelle vie. Parfois, ce que je souhaite ne m'arrive jamais. Comment devrais-je toujours être en train de coucher avec des femmes mariées? Et surtout, c'est moi qui, dans mon travail, qui couvre ces districts. Attends un peu. Serais-je à cause de mon travail que tout le monde est en train de m'apprécier? De toutes les façons, je peux toutefois gagner l'argent avec ça. Je pense qu'il est temps de le faire.
Il est temps de gagner de l'argent. Ne me dis pas que tu as voyagé sans pour autant me dire. Et si je ne t'avais pas appelé? C'est quoi cette histoire que tu as voyagé depuis 3 semaines sans pour autant même m'informer? Et si je ne t'avais pas appelé? Excuse-moi de d'avoir rien dit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre si ce n'est pas désolé? Ok, c'est pas grave. Quand est-ce que tu rentres? Mon bureau m'a envoyé à une mission pour 2 semaines à Lagos. Et malheureusement, les choses se sont très mal passées. Juste un jour après mon voyage. Et aussi, je compte passer tout le reste du temps à Lagos. Alors, s'il te plaît, excuse-moi de ne t'avoir rien dit en amont. Ok. Bon séjour à Lagos. N'importe quoi. Oh, mon Dieu. Je commençais à croire qu'il allait venir passer presque 1 mois entier avec moi dans la maison. Comment je peux passer 2 mois sans avoir un homme à mes côtés? Ah, mon Dieu. Ah, c'est vraiment de n'importe quoi. Ah, non. Je suis une femme avec un F majuscule. Cet homme ne peut pas, non. Il ne peut pas me faire ça. Non, 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 non. Je dois faire quelque chose. Cet homme ne peut pas me mettre dans une situation très embarrassante comme ça, non. Tu sais, mon ami, hier la nuit, c'était la plus pire expérience de toute ma vie. Non, je ne peux pas accepter ça. Je t'avais dit d'affronter la vérité, de ne plus suivre ces garçons-là et d'avoir une autre option. De quelle option? L'option d'avoir un homme sans pour autant l'avoir physiquement et savoir te réjouir sans pour autant qu'il soit à tes côtés. Attends un peu, j'ai une solution pour toi. Je reviens dans quelques minutes. Mmh. Ah, c'est ça, hein? Ceci... C'est quoi ça? On l'appelle confort. Hashtag une femme peut ne pas avoir un homme et savoir se réjouir elle-même. Confort? T'en veux ou pas? Laisse-moi voir. Peu importe. Comment penses-tu que j'ai survécu pendant... Oui, oui, oui. Comment penses-tu c'est que j'ai survécu pendant 6 ans? Avec un mari qui ne vient pas à la maison avant 2 ans. Hey, les riches de Malaisie, venez voir celles que vous avez épousées comme de femmes. Si tu m'aimes, oh mon Dieu, tu vas aussi madame, aimer ça. Ouais. Tu sais ce que je pensais. Tu es vraiment parfaite. Je pensais aussi t'aider à aller vers l'avant. Oh mon Dieu, c'est pourquoi j'aime bien rester à côté de toi parce que, tu fais que tout soit... Je quoi? Je n'ai fait qu'aider. Est-ce que tu attendais quelqu'un? Oh, laisse-moi aller voir qui c'est. Ok. Non, c'est bon, c'est mon ami. Bon garçon. Rose, je te présente Franck. Rose est mon ami. Ok. Comment vas-tu, oui, Franck? Oui, je vais bien, merci. Franck? Ah, tu travailles pour une entreprise de courrier? Oui, madame. Oh, oui. Bien. Oh. J'ai un courrier que je devais envoyer depuis 2 semaines déjà à Lagos. Tu sais, j'avais les hormones. Tu avais les hormones? Ne me suis pas. Est-ce que tu peux venir chez moi pour prendre ces lettres? Pas de problème, pas de problème. Ça, c'est mon travail. Juste dites, donnez-moi votre adresse et à quelle heure vous voulez que je sois là.
Est-ce que ça te dérangerait de venir aujourd'hui parce que je cours après le temps? Ok. J'ai encore quelques colis à livrer et dès que j'aurai fini, je vais vous donner. Je pense que ça va. Parfait. C'est chez moi, c'est à la 16e concession privée. C'est chez moi. Mm-hmm. Ok, je vais venir, madame. S'il te plaît, n'oublie pas. Hein. Je vais. Il n'y a pas de problème, je viendrai. Les colis dans ma chambre, ça pèse trop et je ne pouvais pas prendre ça toute seule. Il n'y a pas de problème, madame. Ok. Madame, s'il vous plaît, où sont les colis en question? Bébé, c'était moi les colis. Regarde, je t'aime beaucoup. Je vais te payer pour tous les services. Pretty ladies. Il est là. Tu as vu comment il était grand? Il est beau. Noir et très beau. Il est très beau. Je tenais à te montrer la photo pour que tu ne penses pas que nous sommes en train de te forcer d'épouser un homme invisible ou bien un homme malade. Non. Voilà, je n'ai jamais eu ce genre de pensée, maman. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. C'était aussi pour nous rassurer. Non, vous n'êtes non, pas non. encore rencontré, mais tu seras heureuse de le voir. La personne que tu es supposée accepter en mariage. Je ne peux pas me décevoir, je le sais. Je l'ai apprécié, il est très beau. Ça, c'est bien. Tu sais, quand je te regarde, j'imagine déjà la qualité des enfants que vous allez avoir ensemble. Oh. Grand, noir et très joli. Ouais. Et des jolies filles comme leur mère. Vous le savez. Ça va. Il est beau. Les photos? Je voulais lui envoyer quelques-unes de tes photos. Disons quelques-unes justement. Bien, je vais vous le faire parvenir par WhatsApp. Tu vas faire cela? Super, je vais le lui envoyer. Immédiatement. Ça sera bien pour lui de voir. Qu'est-ce que... Merci maman. Pour lui. D'accord, c'est bon. J'attends juste. Devine quoi? Quand il va rentrer, j'aimerais que tu mettes un truc qui va te mettre en valeur. Qui va faire sortir tes derrières et ramener tout? Qui va faire sortir toute cette bombe que tu as là derrière? Tu vois de c'est quoi sûr, je parle? Non? D'accord, oui, je le ferai. Je ne sais pas comment les choses me parviennent très facilement. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il m'aime énormément comme ça. Depuis que je suis née, tout ce que je touche avec mes deux mains marche comme de la magie. Ma chère, ça ne m'étonne pas. Oh. Hey! As-tu oublié? Tu es une fille très chanceuse. Ma chérie, prends un peu le temps de me regarder. Cas de Karine. Me marier à un grand homme malaisien. On l'appelle Onwa. Onwa en Malaisie. Imagine. Imagine la grâce. Ah! Oh! La seule chose que tu vas faire pour moi, c'est juste lui demander un de ses amis, non? Je suis ton ami, oh. Oh, ma chérie, arrête. Tu es mon amie, je le sais très bien. Tu es mon amie. Je sais que cela n'est pas du tout un problème. Je te donnerai un bon homme, un homme courageux. T'inquiète, ma copine. Je suis là pour toi, non? Alors, dis-moi, c'est pourquoi le mariage déjà? Bien, il a dit en décembre. Et tout se passera au premier semestre. Ça veut dire le 6 premiers mois? Exactement. Il a dit que ce sera le moment où il sera libre pour venir pour notre mariage. Tu vois, ma chérie, ça sera tellement grandiose. C'est ça, ma chérie. Oh, ma chérie, laisse-moi te dire vraiment, je suis très contente pour toi. Pour être honnête, moi aussi, mais je suis un peu jalouse. Ne dis pas ça, ma chérie. Je t'ai promis un très bon homme, n'est-ce pas? Tu sais? Amen, oh. On se verra, c'est vrai. Oh, bébé, j'ai vraiment pitié de quelqu'un. J'ai pitié de Chief. Tu sais, c'est un bon homme. J'ai vraiment pitié de lui. Est-ce que tu vas bien?
Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Pourquoi peux-tu avoir pitié d'un vieux homme qui a déjà une famille? Laisse-moi te dire, ma chérie. Écoute-moi bien. Le chief que je connais va directement t'abandonner pour une autre fille. Vite, vite. Essaye d'y réfléchir. En quoi es-tu sûr que tu es la seule maîtresse qu'il a? Et où est le problème? Je sais qu'il a une famille. Et en plus, même s'il a une autre maîtresse, cela n'est pas mon problème. Il était tellement bon à mon égard. Il m'achète beaucoup de choses. Il m'a acheté une voiture. Tu vois un peu tout ma ça. Ma chérie, s'il te plaît, vas-y et fais ta vie. Oublie ce vieux homme, s'il te plaît. Mais oui, j'ai juste pitié de lui, non? D'accord, j'ai compris. Si je te le donne, est-ce que tu vas refuser? Dis-moi d'abord. Je ne prendrai pas où. Tu trouves pas que c'est un endroit très calme, hein? Qui n'a pas assez de bruit et il n'y a pas assez de monde. Oui, tu as raison. Cet endroit est vraiment joli. Alors, comment tu as découvert ici? Bon, j'ai passé juste dans le coin et après, j'ai découvert cet endroit. Je suis entrée, j'ai... Voilà. Tu as dit que tu passais, mais tes pieds sont déjà là, ouais. Ça, c'est bien, mais c'est un autre état négatif. Tu sais, le fait d'épouser un homme qui n'habite même pas à la ville, qui habite à l'étranger, juste comme nous... Surtout s'ils ne viennent plus. Ah, ma chère, ça c'est un autre point. Moi, je pense plutôt que j'ai même perdu le goût de toutes ces choses. Et puis, tu vas bien? Dis-moi, tu vas bien? Ah, je vais bien. Est-ce que tu as pris quelque chose? Non, je ne sais pas. Je crois que j'ai... Je me sens comme si je n'ai pas pris du repos pour un long moment. Je crois peut-être que c'est un problème. On peut aller à l'hôpital. Ok. Bon, pour le moment, bois au moins quelque chose et... Prends au moins de l'eau. Je ne peux pas me faire ça. C'est si pétre, c'est don, je pense. Bon, je ne peux pas me faire ça. Franchement, ça sent la grossesse. Oh mon Dieu. Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Quoi? Je suis enceinte.
Mais je vais dire quoi, mon mari? Enceinte. Oh mon Dieu. Aujourd'hui a été une journée très difficile. Je suis très fatiguée, je dois me reposer. Vraiment me reposer. Et à chaque fois que je me présente devant une femme, elle est toute troublée. Est-ce que c'est vraiment mon devoir du travail d'être toujours sous les lits avec ces femmes? Et cela fait en sorte que je puisse avoir un nouvel appartement. Et beaucoup de choses sont à venir. Mais il aura une bonne leçon pour ça. Mais laisse-moi te dire la vérité. Les maris et les femmes sont faits pour vivre ensemble. Il n'est pas bon qu'un homme marié puisse laisser sa femme dans un pays et voyager trop loin pour laisser sa femme pendant longtemps. Et travailler dans un autre pays et laisser sa femme pendant des années et des mois, laisser seule dans son pays. Ce n'est pas bien. Très mal. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'attire comme ça? Rose. Rose, pourquoi tu es devenue soudainement distraite et tu ne veux pas parler? Ce n'est pas Phil là-bas avec une jeune fille? Hé. Rose. C'est déjà arrivé, alors changeons de lieu pour aller manger. Ok? Non. Hé, tu es devenue folle? Je ne peux pas rester là. Es-tu folle? Tu veux aller te battre avec une célibataire pour un homme qui n'est même pas ton mari? Je ne peux même pas me battre pour ce bêtise. Et tu penses que quand tu vas aller là-bas, te battre avec cette fille-là, et cette fille-là va t'applaudir? Regarde, à chaque fois que tu veux te mettre dans une situation très embarrassante, assure-toi que je ne serai pas à tes côtés. Lève-toi en part. Mon ami, honneur, je ne veux pas me battre avec la fille. Je veux juste dire à Phil ce que je pense de lui. Et tu penses que pendant que tu seras en train de faire ça, la fille qui est juste à côté va rester là à t'applaudir, c'est ça, hein? Regarde, à chaque fois que tu vas te mettre dans une situation très embarrassante en public, rassure-toi que je ne serai pas avec toi. Maintenant, lève-toi en part. Écoute-moi, Laura. Je ne quitte pas de ces lieux parce que je veux. Je pars justement parce que tu me l'as demandé. Allons-y! Oh, maintenant je comprends. Je suis désolée de ne t'avoir pas dit que j'étais déjà de retour. On s'en fout. Ton ton n'est pas normal. Enlève tes mains sur moi. C'est quoi le problème? Phil, ce n'était pas important que tu me dises que tu étais déjà rentrée? Ah, parce que tu t'es sentie déjà à l'aise avec d'autres filles. Les filles? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'était qui la fille avec qui je t'ai vue au restaurant hier? Oh, ça c'était Sarah.
Je suis désolée de ne t'avoir pas parlé d'elle. Mais c'est ma fiancée. Je me prépare à l'épouser. Oh. Oh. Je vois maintenant. Je vois maintenant pourquoi j'ai été abandonnée. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te comportes comme une femme jalouse? Sarah ne vit pas dans cette ville. Son travail, c'est en dehors de cette ville. Présentement, elle est en vacances. C'est pourquoi elle est ici. Alors, pourquoi tu m'avais abandonnée? Je voudrais vraiment mettre en place certaines convenances et surtout pour notre relation. Oh, ok. Je t'ai compris. Je te laisse alors avec elle. Donné mon cœur. Je t'ai donné tout de moi. Qu'est-ce que tu me payes en retour? Juste tourner à côté de femme mariée, comme un chien enragé. Sarah, s'il te plaît. Sarah, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'avais pas de réflexion. J'étais fou, j'étais obsédé. Je n'ai jamais aimé cette femme. Crois-moi, chérie. Je ne voudrais même pas te comparer avec toutes ces femmes ici. Je ne les aime pas. C'est toi que j'aime. Mais si tu acceptes de me pardonner, en tout cas, je jure de t'aimer, toi et Jésus. Vous êtes les seuls que j'aime. Alors, s'il te plaît, ne laisse rien détruire notre amour. Je te promets de ne jamais, jamais encore faire ça. Alors, s'il te plaît, bébé, c'est moi. C'est moi. Pardonne-moi. Alors dis-moi, tu l'as fait combien de fois? Ça fait un moment. Dire un moment, ce n'est pas du tout spécifique. Combien de fois? Je vois. Alors quand est-ce que tu vas arrêter? Je n'ai jamais pensé à une chose comme ça. Mais tel que tu nous as surpris, je ne le ferai plus jamais, chérie. Et je vais arrêter. Ok? Je vais arrêter, je ne le ferai plus. Alors, je suis désolé. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, on doit se remettre ensemble, chérie, s'il te plaît. Je suis désolé. Hey, qu'est-ce que j'allais devenir sans lui, oh? Il a vraiment un sens. Regarde tout ce qu'il a acheté pour moi. Il connaît mes couleurs. Oh mon Dieu, je l'aime tellement. Ce n'est pas seulement ça. Il sait aussi faire des bons choix. Tu peux encore le dire, ma chérie. Et avec ça, mes préparatifs de mariage sont déjà prêts. Quoi? Excepté mes accessoires. Ah, t'inquiète, ma chérie, il m'a envoyé l'argent et j'ai une somme que je réservais pour toi. Tu vas aller faire les achats, tu sais. Je t'ai eu. Je te connais, ma chérie. Tu sais que j'aime entendre l'argent. Ah, tu vois, je t'ai eu, je te connais très bien. Regarde ça, c'est très beau, regarde un peu. Ce n'est pas seulement ça, oh. Ils m'ont acheté des bijoux. Ils m'ont acheté des bijoux, je te dis. Tu ne les as pas encore vus. Attends, tu vas voir. Oh mon Dieu, regardez les bijoux. Attends, talala, tu vois? C'est beau. Ah oui, tu as raison, c'est très beau. Franchement, tu aimes? Ça, c'est de l'or. Je te dis, ma chérie. Ça, c'est de l'or. Je te dis, ma chérie. C'est tu ne connais pas mon homme. C'est un Malaisien. Oh, regarde ça. T'inquiète, ça suffit.
Ne fais pas ça. Je te connais très bien. Tu risques de brûler mes bijoux. Ça se laisse. Non, ma chérie. S'il te plaît, un seul calme-toi d'abord. Nathalie, s'il te plaît. On se connaît, non? Laisse. C'est bien. Il n'est pas encore marié. Oui. Comment ça? Waouh. Bien sûr que tu me manques aussi. Vraiment, j'aurais souhaité que tu rentres aujourd'hui à la maison. Mais c'est pas grave, je peux faire avec. Je sais chérie. Ok, ok. Tu n'as pas à te déranger, tout ce que tu vas m'amener. Alors, je vais prendre ça. Oui, c'est pas grave. Ok, merci chérie. Je t'aime aussi. Bye. Pretty ladies, housewives. Ma chère, il est vraiment évident que ton futur époux est très bien calé. Oui, il va très bien. Ouais. En effet, il a besoin que tout soit déjà prêt. Ah. C'est ça. Au fait, il a déjà presque tout acheté. Il ne reste que de petites choses pour la soirée, peut-être. Il revient quand? Bien. Il a dit le mois prochain. Le mois prochain? Oui. Prends ça. Voici ma contribution. Chérie, tu vois pourquoi je parle toujours de toi? Merci beaucoup. Merci énormément. Ok, mais est-ce que tu sais que nous devons plusieurs fois faire l'amour avant que vous ne puissiez vous marier? Parce que je crois qu'après votre mariage, vous allez partir directement. Pas du tout. Il a dit qu'il doit rentrer pour se préparer et revenir encore après. La même histoire. Ah, je n'arrive pas à comprendre ces jeunes hommes. Qu'est-ce qu'ils font là-bas exactement qui fait en sorte qu'ils puissent laisser leur femme? Et après leur mariage, ils laissent leur femme ici. C'est quoi le problème? Chief, ce n'est pas ça, mais je sais qu'ils travaillent très durement, mon chéri, tu vois. Je suis un peu là pour toi, tu le sais, Chief. Alors, je vais un peu m'occuper de toi. Love is beautiful, love is sweet, yeah. Wantin' a him delit another. Wantin' a wantin' don't lead it another. That in where God join together. Let no man come put you asunder. Now what do you define outside you? Malicious wife, shall be there for your body. On s'est finalement croisés. J'espère que tu me connais très bien. Reste loin de mon homme. T'as compris? Si tu ne le fais pas, notre prochaine rencontre ne sera pas avec ce plaisir. N'oublie pas que tu es une femme mariée. Rose, c'était quoi ça? C'est la fille qu'on a vue l'autre fois avec Phil au restaurant. Comment elle sait qui tu es? Elle nous a attrapé Phil et moi. Elle vous a attrapé toi et Phil. Juste quand nos maris veulent retourner. Tu sais, je voulais te dire, laisse d'abord Phil pour le moment. Tu te crées toi-même des ennemis. Ok? Tu as raison. J'ai vraiment besoin de Phil maintenant. Et je ne sais même pas comment faire avec Rose. Je ne sais pas quoi te dire, mais tu sais quoi? C'est la vie. Pardon, allons-y. Demande à ton frère s'il va revenir ce week-end. D'accord, je le fais. C'est comme s'il n'est pas intéressé. Ces garçons. Maman, pourquoi ne pas lui parler toi-même? Tu fais comme si tu ne connaissais pas ton frère. Quand seulement je lui ai dit ça, s'il avait l'intention de revenir, il allait changer d'avis. Maman, Kevin est bien ton fils. Tu as tout le droit de faire tout ce que tu veux.
Pourquoi toujours des tiraillements entre vous? C'est comme si tu ne vivais pas avec nous dans cette maison. Kevin, arrangez les choses seulement comme ça avec moi. Pardon, tu peux me préparer quelque chose à manger, s'il te plaît, j'ai vraiment faim. Je suis en train de te parler, non? Maman, je termine d'abord avec ça, non? Pardon, s'il te plaît, amène-moi quelque chose à manger. Ah, mon enfant, oh. Hey, je suis très content que mon frère ait décidé de rentrer. Hey. Mon oncle, cette fois-ci, tu dois traîner ici. Alors, comment voulez-vous que je vous explique? J'étais en train de chercher l'argent. Et me voici de retour. Je suis venu honorer ma femme. Je ne pouvais surtout pas la laisser comme ça. Alors, tout le monde qui cherchait à la courtiser devra mettre fin à cette démarche. Tu ne trouves pas. En tout cas. Ma soeur, j'espère que tout va bien. Ah, mon frère, rien ne va. Oh. Satisfaction o ina tum jidekwe maka oge maybe we fa oge maybe we fa shep shep. Love is sweet, yeah. Love is beautiful. Love is sweet, yeah, yeah. One thing, the hinderita nanda. One thing, don't leave it another. That in the way God will join together. Let no man come put to us under. Now waiting that they fight for road, Malaysia money should be there for your hustle. You dey find outside your Malaysia swag, she be there for your body. You never know, say true love, the faithfulness. Malaysia.
Mes potes à moi. Enfin, je suis marié. On est là. Tiens mon soutien. Vive les mariés. Allons-y. Mais on va célébrer. On va faire du mariage, ma chère. Combien c'est beau les mariages. On est ensemble, mec. On est ensemble. L'amour, mec, t'en fais pas. Les nouveaux mariés. On est ensemble. Les nouveaux mariés. Je me suis marié. Combien je me suis marié. Vive les mariés. Ah, mon cher Ago. Ago. Tu essayes maintenant de me dire que tout ce qu'il avait comme l'argent qu'il a laissé dans ce pays, il l'avait dit à personne. Odogu, ça m'a aussi surpris. Je l'ai su parce qu'il m'a appelé à partir de là. Et il m'a demandé de t'informer. Je n'arrive pas à comprendre de quoi tu es en train de parler. Et parfois, ça me dépasse en intelligence. Comment est-ce que tu sais tout se faire alors que tu n'appelais personne? Hein? Ça, c'est pas comme une affaire de charité, non? Je le pense aussi. Mais est-ce que tu es sûr que tout va bien? Est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que je sais vraiment comment est-ce qu'il s'est comporté. Il est parti sans même nous dire quelque chose. Bien. Je le pense aussi. Ou il y a un petit problème qu'il essaye d'arranger sans que nous puissions le savoir. C'est possible. Oh, ça c'est vraiment possible. Il a peut-être eu une affaire qu'il n'a pas voulu nous dire. Oui, oui. Bon, le mieux à faire, c'est de l'attendre venir. Moi, j'ai marre vraiment de ces business. J'ai vraiment marre de Nigeria. Et on doit quitter bientôt là. Bon, dis-moi, on quitte quand? Et c'est pourquoi moi, je m'arrête là. Oui. On se revoit la semaine prochaine, c'est temps-ci. C'est ça. Mon ami. Toi, tu es une aventurière. Je sais que tu es un homme puissant. Tu es très, très puissant. Tu es capable de faire ces choses. Oui. Ok. Et tu dois te rappeler de ce que je t'avais dit. Oh, tu dois très bien prendre soin de toi-même. Oui. Prends très bien soin de toi. Je le ferai. En tout cas, je tiens à ce que tu puisses le faire. Je veux que rien ne puisse t'arriver. Ok, chérie, je dois maintenant partir. Hein? C'est bon, comme ça je vais t'appeler, d'accord? Ok. Oh non, toi tu es mon gars sûr, tu dis quoi maintenant gars? Oui, en tout cas, on doit partir déjà. Oui, déjà à cette heure-là. C'est vrai. Beaucoup d'hommes aiment bien dominer. Moi, je n'aime pas ça. C'est mieux pour moi de rester ici et de vivre ma vie, en tout cas sans stress. Laissez mon mari en Malaisie et moi ici. Tu sais ce que tu as dit là est vrai. Les quelques jours que mon mari a passé avec moi, je me suis sentie comme si je me sentais étouffée. C'était trop pour moi. Avant qu'ils ne partent, tout ce qu'ils peuvent dire c'est « prépare-moi ces poissons, prépare-moi ces siens ».
amène mes habits au lavage ou lave mes habits. Comme une bonne. Après, ça sera un genre, chérie, je t'ai vu au lit cette nuit. Ah! Donc, c'est tout ça. Ils sont très ennuyants. Très ennuyants. Bien, moi, je pense que ce n'est pas la même chose pour nous tous. Certaines femmes dont les maris sont toujours avec elles, et du moment où l'homme visite régulièrement sa femme, cela ne dérangerait pas s'il vivait loin de sa femme. Même s'il ne rentre pas, ça dérange qui? Tant qu'il y a l'argent pour lequel je me réjouis, il peut rester là-bas parce qu'il y a beaucoup d'hommes avec qui je peux bien m'amuser. Ma chère, vous comprenez, non? Ça a été un long parcours avant que tu ne viennes. Hein? Mes chers, attendez une minute. Je n'arrive pas vraiment à vous comprendre. Hein? Êtes-vous en train de dire que ce n'est pas bien pour une femme d'épouser un homme qui est toujours près d'elle ou des hommes qui sont trop collants à elle? Ma chère, réserve de larmes avant d'y accéder. Hein? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre là? La chose est que ce n'est pas ça exactement. Il y a de ces femmes dont leurs maris sont toujours disponibles. Alors, cela n'est pas vraiment notre cas. Regarde comment elle agit. Et attendez, je suis en train de comprendre quelque chose ici. Y a-t-il quelqu'un qui a peur, s'il vous plaît? Belle dame comme vous. Des femmes qui ont de la valeur. Oh, s'il te plaît, ma chérie, arrête-moi ces bêtises. Ah non, je ne crois pas. Exactement. Oh non, il ne faut pas la suivre, non. Elle est très forte, cette fille. Ah non, ne la suivez pas, je vous en prie. Je pense qu'elle a besoin d'entrer dans les clubs. Ah oui, bienvenue au club, ma chérie. I've been telling you to take it easy. You told me that this life is sweet. I've been telling you to take it slow. You told me that this life is milk. But now you have seen it all. But now you have seen it all. Nobody felt at all. No one do you this. Now you do yourself. Nobody did it to you. Hey, mon bébé. Oh, ma chérie, ça va? Oui, ça comment va. Comment vas-tu? Dis-moi, alors toi, oh, tu n'es pas très mauvaise que ça, ma chérie. Ah oh, oui, ah bon? Ma chérie, Bodom m'a vraiment tuée. Ah, je me suis dit moi-même, hein, pourquoi je perds le temps ici? Pendant que j'ai mon ami, je peux aller lui rendre visite. Voilà pourquoi je suis là. Écoute d'abord moi. Mais écoute, oh, je remarque un changement, oh, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu es devenue très belle. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Qui est l'homme qui prend bien soin de toi? Dis-moi, ma chérie. Écoute, tu es toute belle. Qui est cet homme qui t'offre beaucoup d'argent? Dis-moi, un homme? J'espère, c'est pas un homme. Ma chère, je dois toujours être très belle. Non seulement pour un homme. T'es sérieuse? J'aime ça. Oh, t'inquiète, ma chérie, ton propre homme viendra. Amen, oh, amen. Bien sûr. Ma chérie, j'espère que la chambre est bien arrangée parce que je passerai du temps ici avec toi, je te dis. Tu me flattes ou quoi? Pourquoi le faire? Ma chère, c'est ton problème. Tu ferais mieux d'y entrer et vérifier. Si ce n'est pas propre, arrange-toi-même. C'est vrai, tu es une grande femme, une femme mariée même. Neki. Je pense que c'est la jalousie, comme tu le dis toujours. C'est la jalousie, c'est ce ça. Que tu me dis? C'est ce que c'est je comprends. Que tu me dis, vraiment? Moi, jalouse? Non, mais pas, alors, pas. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi! Oh, si. Jalouse que tu es. Lâche!
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est comme si notre relation ne t'intéressait plus. Je sais que ton mari est encore ici. Était en ville. Et quand il est rentré, je te le dis. Ok, je suis désolé de n'avoir pas été avec toi. Tu es désolé de ne pas être avec moi ou c'est comme ça que tu es? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ça? Tu sais que ce n'est pas vrai. Et alors, c'est quoi? Oh, mais tu dois comprendre que notre relation n'est pas quelque chose pour laquelle je dois être heureuse. Ça signifie quoi? J'étais vraiment dérangée quand ton homme était venu et c'est pas bien. Ça signifie quoi, Franck? Tu es une femme mariée. Oh, okay? Vraiment? Tu es une femme mariée. Je suis mariée. Attends. Ce n'est pas pour ça que tu dois partir comme ça. Pourquoi je ne partirai pas? Je suis vraiment désolé. C'est juste que j'étais vraiment confus. Chérie, tu veux que je fasse quoi? Bébé, tu sais que tu es mariée et tout ce que tu veux me donner, ce n'est que ton corps. Je t'ai offert tout mon cœur en amour, mais tu appartiens à quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas te laisser partir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, je suis désolé. Ma chérie, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Es-tu sûre que tu vas bien? Est-ce que ça va? Oui, je dormais dans la chambre. Je n'ai jamais visité ta chambre. J'y entre aujourd'hui. Oh, c'est quoi? Oui. Tu as l'air très compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, dis-moi? Rien du tout. J'étais en train de ranger les affaires. D'accord, je comprends. Dis-moi un peu, j'ai vu la voiture de Chief à l'extérieur. Qu'est-ce fait sa voiture ici? Chief, ah oui! Il était venu te chercher. Moi? Oui, il était en train d'appeler ton numéro beaucoup de fois, mais tu ne répondais pas où, je te dis. Alors, comme il était fatigué, il n'avait pas pu rentrer avec sa voiture. Oui. Il ne m'avait pas dit qu'il allait passer ici. D'accord. Toutefois, je vais l'appeler. J'ai tant de choses à faire maintenant, là. Je pars. Bye. Ok. Oui, merci. Hey. Mais c'était qui, ça? Oh! Ta maîtresse, K. Elle était sur le point de nous voir. Et c'est pour ça que ton visage est comme ça? Chief. Regarde, si ce n'est pas la façon dont vous, les femmes, pensez, je n'ai rien à faire avec tout ça. Est-ce que c'est ma femme? Hein? Et même si elle était ma femme? Il n'y a absolument aucun problème avec tout ça, ma chère. Sois calme. Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Comment je peux m'en sortir avec ça pendant que tout le monde est contre moi? Oh mon Dieu! Comment je peux m'en sortir avec ça pendant que tout le monde est contre moi? Oh mon Dieu! Comment je ferai avec ça? Mon monde s'est écroulé. This life is hitting me. Oh. Je pensais que tu allais être heureuse d'apprendre que ma femme n'est plus ici dans la ville. Et qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça ne change pas le fait que je suis mariée.
ça ne change pas aussi le fait que tu auras ta propre famille un jour. Tu sais quoi? Nous le savons déjà depuis des années. Et tout ce que je veux que tu saches que nous sommes maintenant libres non, de vivre notre Phil, relation. Non, arrête. Phil, vraiment ma vie est en train de passer dans une phase de transition. J'ai vraiment besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Je veux le découvrir moi-même. Je crois que je vais faire une pause avec tout ce qui se passe dans ma vie. Bien. Prends tout ton temps. Rejouis-toi et découvre-toi. Quand tu auras fini... N'importe quoi. Now waiting that they fight for a girl. Malaysia mommy, she be there for your husband. Now waiting you they fight outside you. Malaysia. Vraiment, tu trouves que mes doigts sont jolis? Ah oui, si tu le dis. Oui, entrez. Oh. Laurette, chérie, comment tu vas? Et toi, Franck? Oh, ok, d'accord. Et du moment où votre amie est venue, je pense qu'elle va bien remplacer mon absence. Je pensais pas à cause de ma présence. Non. Tu es sûr? J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais non, je dois vous laisser. Tu vas revenir après, alors? Oui. Ok, oui, on va voir. Oui, alors, tu vas revenir plus tard. Bon, prenez soin de vous, ok? Okay alors, je dois déjà vous laisser. Bye. Il est vraiment si beau. Oui, il est. Ah. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Madame Argent. L'argent, bien sûr. Bien. Je voulais te demander... Ça fait un bon bout de temps que je ne te vois pas avec Phil. Est-ce qu'il y a un autre homme que tu ne veux pas me parler? Chérie, comme je suis là, je vis normalement. Tu as compris? Mon plaisir ne dépend pas d'un mari qui est retourné dans ses affaires. Alors, je fais ce que je peux. Rose, je te rappelle que tu es en train de parler avec moi. Oui, moi. Tu parles comme si ces hommes étaient partis la nuit dernière. Ton mari et mon mari sont partis il y a 3 mois, chérie. Et tu es en train d'agir comme si c'était hier et c'est toi. Chérie, je te connais, non? Qu'est-ce qui se passe? Peu importe. D'ailleurs, mon confort est vraiment très résistant. Regarde, depuis que tu as eu une confrontation avec la fiancée de Phil, je ne sais pas qui elle est. Donc, tu veux me faire croire qu'il n'y a pas un autre homme. Cela ne te ressemble pas. Je sais de quoi je parle parce que ça ne te ressemble pas. Non, il n'y a rien, madame. Alors, disons que je suis une autre personne maintenant. Oui, si je te dis qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. Si tu le dis. Ah, tu sais quoi? S'il te plaît, arrêtons de parler de tous ces hommes-là. Ah, je suis vraiment fatiguée. Tu sais quoi? Changer, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de changer pour toujours. Tu veux quoi? De l'eau? Dans cette maison? Pour toi, ça ne se fera jamais. Laisse-moi aller te prendre quelque chose. S'il te plaît, mets-moi juste quelque chose, que ça soit doux. Ce n'est pas une entreprise qui vend de boissons douces. Laisse-moi te prendre quelque chose, tu vas boire. Oh mon Dieu. Je sais très bien de quoi est-ce que je parle. De quoi est-ce que tu parles? Neki, n'es-tu pas mon ami? Pourquoi tu m'as fait ce genre de choses? Je n'ai pas fait ça. Tu l'as fait. Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Calmez-vous toutes les deux. Mais comment on va résoudre ces problèmes en criant comme ça? Mais c'est bon! Si vous n'arrivez pas à vous calmer toutes les deux, comment on va résoudre ces problèmes? Comment peut-elle m'accuser faussement sans pour autant avoir de preuves? J'ai mes preuves! Comment? C'est comme ça qu'on peut traiter son ami? Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle vous dise la vérité. Elle est en train de mentir. Elle est en train de vous dire des faussetés. Qu'est-ce que je me dis? J'ai des preuves! J'ai vu ses appels dans le téléphone de Chief plusieurs fois. Elle parlait avec lui.
Ce qui est pire dans ça, c'est qu'elle parle avec Chief pendant plus ou moins 30 minutes. Tu parles de quoi avec lui? Avez-vous un business en commun? As-tu... Eh, non. Ce n'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que ça? Ce n'est pas fini. Elle doit nous dire la vérité, maintenant même. Alors toi, dis-nous maintenant ta part de l'histoire. Attendez. Mais qu'est-ce qu'elle est en train d'insinuer? Toutes ces accusations, juste pour le chief que toi et moi connaissons bien, n'importe quoi. Le chief que nous connaissons bien. Ce n'est pas ça mon problème, oh. Ça ne me regarde pas du tout. Le problème est que je ne veux pas du tout partager chief. Surtout avec toi. Tu m'as bien compris. S'il te plaît, je t'en prie, nom de Dieu, que ça ne soit pas ce à quoi je suis en train de penser. Parce que je jure, si je découvre que tu sors avec Chief, hein, je te jure, c'est que je vais te faire, ma chère. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je te ferai du mal. Tu ne verras rien. Laisse-moi te dire ceci. Même si je couche avec Chief, en quoi ça te concerne? Il n'est même pas ton mari. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Il n'est pas mon homme. Et c'est ton mari. Il n'est pas mon mari. Hey. C'est pas ton problème. Moi, je l'aime juste comme ça. Je l'aime bien. Si il m'appartient. Si vous n'arrivez pas à vous calmer toutes les deux, vous allez sortir de chez moi. Oh, mais non! Pas si jusque là! Non, j'en ai marre! Nicky, tu me nerves! Répète-toi de comment est-ce que je m'achète de toi! Arrête de déranger, répète. Non! Je ne suis pas mariée! Tu es déjà mariée! Tu es mariée, laisse-moi tranquille! Tu es déjà mariée! Attendez, oh, laisse-moi ça! Tu es déjà mariée, laisse-moi tranquille! Comment est-ce que tu me dis? C'est pas normal, non? Vas-y, je t'écoute. Promets-moi que tu me diras la vérité. Oui, je te promets. Couches-tu avec mon ami Nicky? Pourquoi devrais-je? Ton corps est suffisant pour moi. Bébé, je sais pourquoi est-ce que je dis ça. Tu sais que je ne blague pas avec toi. Apparemment, elle s'attache beaucoup à toi. En tout cas, s'il te plaît, Chief, je n'aime pas ça. Elle est comme une sœur pour moi. Et tu sais que c'est pas bien pour toi de coucher avec deux sœurs. Tu le sais bien. Je ne... Ma chérie, ma chérie. Ma chérie, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, chérie. Chief, je suis très déçue. Tu m'avais bien promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, bébé. On avait déjà commencé à coucher ensemble avant que tu ne puisses me demander. Pourquoi ne m'avais-tu pas dit? Pourquoi? Je ne sais pas comment tu allais considérer cela. C'est pourquoi je suis vraiment désolée, chérie. S'il te plaît, ne me touche pas. Laisse-moi, je t'en prie. Non, Je verrai comment m'occuper de ça. S'il te plaît, souris un peu, bébé. S'il te plaît, je n'ai chérie. Pas envie de sourire. Je n'ai pas envie. Laisse-moi, s'il te plaît. Je suis désolé. Mais s'il te plaît, souris pour moi. Souris, s'il te plaît, souris. S'il te plaît, j'ai très faim. Est-ce qu'on peut aller déjeuner? On va en parler peut-être après. Je suis très fatiguée. Tu es tellement belle que je ne peux pas te résister, chérie. Allons rapidement. Es-tu sûre à propos? Je suis sûre de tout ce que je dis. Prends tes effets misérables et sors de cette maison. Toi, une méchante fille. Va-t'en. T'inquiète. Je veux me rassurer que tu puisses regretter tout ce que tu fais. Le temps nous donnera raison. Je ne vais rien regretter. Le temps nous donnera aucune raison. Prends juste tes effets et sors de chez moi. Sors de ma maison. Maintenant. Veux-tu que je le jette? Veux-tu que je le jette dehors? Tu n'as même pas honte. Tu vis chez moi
et tu as eu le courage de coucher avec mon homme pour me dire que le temps nous donnera raison? I've been telling you to take it easy. You told me that this life is sweet. I've been telling you to take it slow. You told me that this life is milk. Car tu as eu le cœur de me chasser hors de ta maison? Moi, Neki. C'est que je n'arrive pas à comprendre qu'une femme mariée se bat pour un homme qui n'est même pas son propre mari. Hé! Notre société est gâchée, oh! Il n'y a pas de problème. On verra bien ensemble avec elle. Quelle est cette bêtise que tu as commise? Hein? Quelle bêtise? Tu es une femme mariée. Comment tu peux te mettre à déranger un homme qui couche avec une femme célibataire, hein? Regarde, il est mieux que tu ailles faire la paix avec ton amie parce que personne ne sait jusqu'où est-ce qu'elle peut aller avec cette elle affaire. Elle ne va rien me faire. Elle ne va rien me faire parce que si c'est moi, elle ose me faire quelque chose, je la mettrai hors de cette vie, je te dis. Qui doit même se fâcher? C'est elle qui m'a offensée. C'est elle qui doit s'excuser et non moi à sa place. Pour qui elle se prend même? Et réfléchissons un peu. C'est toi-même que je blâme. Vous les hommes, vous êtes vraiment des polygames. Après tout ce que j'ai eu à te donner, tu as fini par coucher avec mon ami. Est-ce que c'est normal? Toi, Chief, n'ose plus me dire ça, s'il te plaît. Je t'en prie, oh. Les mots ne cessera de nous étonner. Mais pourquoi elle avait donc nié le jour qu'on était ici? Qui pouvait croire qu'elle peut faire ça? Son niveau de pauvreté est vraiment élevé. Alors, qui habite dans la maison là maintenant? Personne n'est à la maison. Vous savez, Chief avait pris pour moi cette maison il y a de cela 2 ans maintenant. Maintenant là, je suis mariée et je ne peux plus vivre dans la même maison. Même si j'ai mis dehors cette pute, j'ai fermé la maison. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec. Oh, c'est bon alors. Alors, c'est comment le climat entre toi et Chief? Le vieil homme est apparemment content d'avoir couché avec nous deux. En fait, j'allais vraiment le chasser. Mais lorsque je pense que si je le fais, il va aller continuer avec cette fille, ça m'avait beaucoup dérangé. Alors je n'ai pas encore décidé. Je suis encore là. Peu importe, arrêtons un peu de discussion triste. Parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devais lui laisser la maison, mais peu importe. C'est bon, juste calme-toi, ok? Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire comme si rien ne s'est passé. D'accord, comme aller au club, hein? Ah non, là c'est hors de ce que je pense pour le moment. Pourquoi? Faisons autre chose, genre nager, vous voyez, s'amuser. Ok. Je pense qu'on doit d'abord bien planifier cela. Si vous le dites, c'est ça. Je pense que ça serait une bonne idée. Shop, shop, ladies, housewives. C'est sur l'histoire bio. Je cherche à avoir une bonne mine. Hein, maman, j'allais te demander une chose. Oh, vraiment? Alors, c'est quoi cette chose? Vas-y. Pourquoi l'oncle ne voyage pas avec sa femme au lieu de la laisser toujours ici? Comment je saurais? Je pense que c'est l'air compromis. Ok, oh. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi ça t'inquiète? Rien du tout avec ça, maman. Je l'avais vu avant-hier avec son ami. Ah! Et qu'est-ce qui a du mal à ça? Maman, je pense que... Je pars que cette liberté lui pousse à épouser une femme. Surtout jouer dans des endroits publics. Je pense pas que c'est bien. S'il te plaît, arrête de vivre avec des préjugés. C'est une fille, elle a besoin juste de s'amuser un peu. Je te rappelle qu'on est au 21e siècle. D'ailleurs, je te recommande aussi d'être comme ça. Maman,
qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu. Maintenant, c'est une bonne fille. C'est pas comme ça. Mm-hmm. Telle mère, telle fille. Oui, je sais, tu as deux, trois choses qui me ressemblent, mais tu n'es vraiment pas comme moi. Hmm? Tu m'as entendu. Comment est-ce que tu peux avoir ce genre d'intuition pour prédire ce qui se passe? Maman, c'est pas ce qui n'est pas si gros. Mangez seulement. To die with the devil is never a problem. Oh. But you have to be ready with your lungs open. Oh, yeah. It's necessary. It is important. Aye. Person where go fresh firewood to full of anti. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre. Non, mais c'est quoi ton problème? Est-ce qu'on est devenu ennemi? Ne puis-je plus te dire salut quand on se voit en route? Ok, je suis désolée. Tu as dit ton bonjour. C'est bon alors? Non, je ne comprends rien. Il y a quelque chose de mal que je t'ai fait? S'il y a quelque chose de mal que j'ai fait, eh ben, dis-moi, comme ça je te demanderai pardon. Non, non, non. Tu n'as rien fait. Et n'oublie pas que je suis une femme mariée. C'est depuis longtemps que je sais que tu es mariée et j'accepte cette réalité comme ça. Mais aussi, n'oublie pas que tu t'es mariée depuis tous ces temps alors que tu traînais derrière moi pour que je puisse te faire l'amour. Alors, ne fais pas semblant, je sais que je te manque. Oh, jeune homme, ça c'était avant. Alors, qu'en es-tu du déjeuner? Il y a un endroit qu'on appelle Jella's Pot. Excuse-moi? C'est cool comme un hôtel. Pardon, allons-y s'il vous plaît. C'est comment pour le déjeuner? On peut aller, mesdames. Mais qu'est-ce qui se passe? Allons-y alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours fâchée, Rose? Qu'est-ce qu'il y a, Rose? Tu veux vraiment dire que tu as rompu avec Phil? C'est parce que je t'ai dévastée que j'avais besoin de lui. C'est quoi avec toi, copine? Pourquoi tu le traites de cette façon? Oh, c'est comme ça que son histoire doit finir, bébé. Comment ça? C'est un homme très beau. Oh, vraiment? J'en ai vraiment fini avec ça. S'il te plaît, parle-moi de tout ça. Tu es sérieuse? Oui, je suis pas Rose. Elle va aller le chercher. Mais les dames, pourquoi vous ne me croyez pas? To die with the devil is never a problem. Oh. But you have to be ready with your lungs open. Oh, yeah. It's necessary. It is important. Aye. Person where go fresh firewood to full of anti. Now he invite you. Lisa trying compando, yeah, yeah. I this kind of movement is very risky. This kind of movement is now. Melele, hey, hey, melele, yeah. What do you define, melele, young lady? What do you look for, melele? Now waiting that they find for a door. Malaysian money, she be there for your hustle. Now waiting you they find outside you. Malaysian swag, she be there for your baby. You never know, say, true love. Now faithfulness, Malaysian money, she be there for your hustle. That thing where you the look. Malaysia swag, she be there for your baby.
waiting that they find for a Malaysia mommy, she be there for your hustle. Now waiting you they find outside you. Malaysia swag, she be there for your baby. Qu'est-ce qui se passe? Je cherche un endroit pourquoi où aller. Pourquoi tu t'es stoppée? J'étais en train de chercher un endroit allons-y où aller. Allons-y alors chez moi. Ah, ok alors. On se voit là-bas. C'est bon? Malaysia mommy, she be there for your hustle. Now waiting you they find outside you. Malaysia swag, she be there for your body. You never know say through love. Now faithfulness. Malaysia mommy, she be there for your hustle. That thing where you don't look good, you go see a Malaysia swag, she be there for your body. I this kind movement is the risk yo. This kind movement is now Melele ma. Hey Melele ma. Melele ma. Hey Melele ma. To die with the devil is never a problem. Oh, but you have to be ready with your lungs to put away. It's necessary. It is important. I, person where go fresh firewood to full of auntie. Now he invite you. Lisa trying compando, yeah, yeah. I this kind movement is the risk, yo. This kind movement is now. Chérie. Je dois déjà partir. Tu pars? Oui. Oui, il est déjà temps. Oh, ça. Ça. Je veux que tu prennes ça. Oh, non, 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 c'est pas bien. Voyons, ne me dis pas ça. Sois-en sûr que ton service est bien apprécié. Juste prends ça, ok? Ouais. Merci, merci. T'es le bienvenu. Je suis vraiment heureuse que tu aies joui. C'était merveilleux. En tout cas, je suis toi. Vas-y, vas-y, au revoir. Prends soin de toi, gentilhomme. Regarde-moi en face et réponds-moi. Tu ne prends pas tes appels, tu ne m'appelles plus comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Ma chère, ce n'est pas que j'étais en train de t'éviter, c'est juste que j'étais vraiment occupée. Et surtout, j'espère que tu es en train d'utiliser la chambre que je t'avais donnée pour gérer tes relations avec tes amis. Oh, Chief, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'attend pour être occupé? On est tous occupés, mais tu dois trouver du temps pour moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? S'il te plaît, je veux que tu améliores cette impression. Cette Paige, cette prostituée n'est pas mon amie. Elle a pris ce qui m'appartenait. S'il te plaît, ne l'appelle pas mon amie. Tu es la cause dans tout ça. Si tu n'étais pas allé la chercher, tout ça n'allait pas arriver. Tu dois faire quelque chose à propos de tout ça, Tiff. Tu dois faire quelque chose. Alors comment? Qu'est-ce qu'elle t'attend par comment? Quitte cette page-là, arrête de coucher avec elle. Elle est mieux que moi. Oh, qu'est-ce qu'elle te donne là que je ne t'ai jamais donné avant? Quoi? C'est parce que je me suis mariée. Et alors? S'il te plaît, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je ne veux plus que tu la fréquentes. Laisse-la partir. Je vais dire, elle n'est pas trop élevée. C'est quoi ça? J'étais très bien entendue. Et que vas-tu faire? Oh, tu peux fermer ta bouche. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler de la sorte? Quel niveau penses-tu avoir pour m'insulter? Tu te justifies comme un chien enragé. Tu es trop désespérée, insensée, lâche et stupide. Et ça doit être la dernière fois de venir chez mon homme pour dire... Hé, hey, hey, ça c'est mon bureau. Chief,
Je te respecte beaucoup, Chief. En tout cas, je te respecte beaucoup. Mais que ceci ne se répète plus jamais. Plus jamais, je le dis encore. Regarde-la. Regarde-la. Alors, Chief. Qu'est-ce que tu penses vouloir faire? N'ose même pas te mettre sur ma chaise. Allez, sors de mon bureau. J'ai dit sors de mon bureau. Rejoins-la. Comment tu vas? Hey! Je suis là. Et soudainement, tu t'es souvenu de moi. Ma tante, je suis désolée. Tu ne peux pas comprendre. Mais la vérité, c'est que... J'étais en train de planifier devant Tanline. Et je me suis engagée dans la visibilité sociale des affaires. Et les études de base des affaires. Je veux juste travailler sur ça quand je vais. C'est ce que je faisais, non t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, non. Oui, je ne peux pas. Et tu sais, mon mari me soutient aussi. Il va aussi m'aider en expédiant le vêtement que je pourrais vendre ici au Nigeria. Tu sais, j'investis trop d'argent en ça. C'est vraiment très bien. Tu sais, j'étais en train de deviner que le femme mariée de nos jours restait à la maison. Ça ne s'est plus comme ça. En vérité, j'étais en train de m'inquiéter un peu à propos de toi. Maintenant, avec tous tes projets... Je ne suis pas une paresseuse. Oui, tu as raison, tu peux le faire. Oui. Je suis contente. Voilà, ne pense pas que je t'ai oublié. Je ne peux jamais t'oublier, jamais. Oh, bien sûr, si tu le dis. C'est ça. Dis-moi. Quoi? J'ai préparé quelque chose de délicieux. Tu es sérieuse? Je suis excellente. Tu as vraiment faim? Oui. Tu vas te servir toi-même, tu sais que tu n'es pas une... Et alors, néné? Elle est au-dessus. Oui, je suis déjà là. Je vais t'appeler demain et on pourra planifier. Et je te rappelle après, s'il te plaît. Joyeux anniversaire, chérie. Tu t'en es rappelé? Bien sûr. Tu t'es vraiment rappelé de mon anniversaire? Comment ça, tu me demandes si je me souviens de ton anniversaire? Waouh, tu es vraiment... Il y a une voiture dehors. Ok. Et j'aimerais que tu ailles jeter un coup d'œil. Ta voiture? Toi, va d'abord jeter un coup d'œil. C'est ce que je te demande de faire. Non, va d'abord jeter un coup d'œil. Tu verras. Ta voiture? Va jeter un coup d'œil. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Franck? D'accord, j'arrive. Ok. Chop, chop, ladies. Housewives, someone is lonely, or departed, pretty ladies, housewives, someone is lonely, or departed. C'est ta voiture qui est dehors, c'est très joli. Et après? Je sais, c'est maintenant la tienne. Quoi? Oui, c'est maintenant la tienne. Non, ça c'est une aventure, arrête ça. Tu sais que j'aime pas ça. Aujourd'hui n'est pas un jour quelconque, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Mais c'est ton véhicule. Oui, je sais, mais j'ai aussi des autres à la maison. Et quand les gens me verront conduire ton véhicule, ils comprendront que nous deux là, on sort ensemble. C'est pas bien. Mais c'est... Chérie, prends-le comme ça. Les gens sauront que nous avons une affaire secrète. Ils comprendront tout de suite. Mais de quel secret tu veux dire? Regarde, j'ai deux autres voitures à la maison. Et j'ai jugé bon de te donner. Pourquoi tu en fais un problème? C'est justement parce que je veux pas de problème. Mais de quel problème? Je suis encore jeune. Et surtout, j'ai encore beaucoup à réaliser, s'il te plaît, je ne veux pas. Franck, tu es en train de taper sur mes nerfs. Je me suis réveillée avec une folle idée parce que c'est ton anniversaire et je voulais te faire une surprise. Je me suis dit que ça sera très utile pour toi. Alors, c'est comme ça que tu me remercies? C'est ma voiture. Si je vais avoir une autre voiture, je l'aurai. Ok, je suis vraiment désolée. Tu n'as pas une bonne mine pour quelqu'un qu'on a donné une voiture.
Dis-moi, tu es heureuse ou bien tu es désolée? Les deux à la fois, les deux à la fois. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment excitée. J'ai vraiment apprécié ce véhicule. Je l'ai apprécié. Ça fait un moment que j'apprécie ton véhicule. Mais seulement, je veux que tu puisses être prudente, s'il te plaît. Non, t'inquiète, c'est bon. C'est bon alors. Je suis vraiment excitée. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Ok, merci. C'est bon. Alors viens, on va aller prendre quelque chose. Oui. All the way from Malé. Je t'assure que donner ta voiture auprès des Francs n'est pas une erreur. Quelle sorte d'erreur, chérie? Regarde. J'ai des autres voitures ici à la maison et si je demande à mon mari de m'envoyer une autre voiture, il va le faire. Ah, mais quelle explication tu vas lui donner alors? Écoute-moi, mon mari ne sait rien à propos de ce qui se passe au Nigeria et si je lui dis, il va croire et je verrai ce que je peux lui dire. Ah, t'inquiète. Peu importe. Juste sois prudente. Je suis prudente. C'est tout ce que je peux te dire. Je te dis que je suis prudente. Et à propos de ce que je te dis au téléphone, tu le disais pour de vrai? Ne me demande pas pourquoi. Donne-moi juste si tu peux. Non, ce n'est pas que je te demande pourquoi, parce que je sais que ton mari a l'argent. Et il a l'argent comme surnom. Alors le fait pourtant de demander de l'argent auprès de moi, ça me laisse un peu perplexe. Oui, je t'ai même remarqué récemment. Tu ne veux plus dépenser, je t'ai trouvé bizarre. Comparer mon mari à ton mari c'est le roi de Malaisie. T'inquiète pas. Je vais tout t'expliquer. Juste donne-moi l'argent si tu peux. Si tu le dis, tu voulais combien déjà? 200 000 naira. Ok, laisse-moi aller voir combien j'ai à la maison si j'ai ça. Je te les donne, ok? Ok. Satisfaction. Désolée. Oh, alors c'est toi. Mais mon enfant, qu'est-ce que tu fais ici? Bon après-midi, tantine. Je suis venue faire quelques achats ici. Oh, tu viens aussi faire les shopping ici? Oui. Hey, regarde-toi. Tu es vraiment très jolie. Plus que même que la dernière fois que je t'ai vue. Non, je te dis vrai. Oh mon Dieu. Oh, merci, tantine. Écoute, je t'ai vu il y a longtemps et d'ailleurs, je suis en colère. Oui, tu ne nous appelles pas, tu ne viens pas nous voir. Même ton ami ne parle plus jamais de toi. Celle-là. Mais pourquoi est-ce qu'elle me cherche alors qu'elle m'avait battue à cause d'un homme? Tu as dit en train de se battre avec toi pour un homme? Je suis en train de parler de Karine, celle qui est mariée. Bien sûr que je connais Karine. J'ai sa demoiselle d'honneur. Non, 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 je parle de Karine qui s'est mariée avec mon frère. Oui. Non, ça ce n'est pas vrai du tout. Housewives. Someone is lonely. Pretty ladies. Housewives. Someone is lonely. Someone help me. Hey, I got ya. Oh, oh, oh.
Comme ça, Karine est en train de tricher mon frère. Saint Moïse, comment je vais faire avec? Mon frère ne sera pas content avec moi s'il découvre que la femme que je l'ai trouvée est en train de lui tricher. Ah, Karine, tu m'as déçue. C'est quoi ce désir que tu as qui n'est pas comblé? Hein? Qu'est-ce que tu trouves aux autres hommes jusqu'à aller te battre avec ton ami juste pour un homme? Tu es une femme déshonorée. Twice. Someone is lonely. Body quite tempting. Pretty ladies. Alors, tu étais occupée à faire quoi? Ah, mes ventes en ligne, non, je t'avais dit. Tais-toi. J'avais... Tais-toi. Tu étais occupée à faire tes ventes en ligne? Oui. Ou bien tu étais occupée à coucher avec d'autres hommes? Jusqu'à aller te battre avec ton ami pour un homme. C'est qui, lui? Moi-même, Tais-toi, Karine. N'essaye même pas de le nier. Oh, je pensais vraiment que tu étais très différente. Je pensais que tu étais une bonne personne. Je ne pouvais pas réaliser que tu étais aussi rabaissante. Oh non, s'il te plaît, non, ne me cherche pas de problème. Oui, j'accepte, tu fais quelque chose de mal, mais n'utilise pas ça contre moi, s'il te plaît. Karine, je vais dire ça à ton mari. Non, 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 ma tante, tu ne peux pas faire ça à moi, non. Ok, ok, j'ai fait quelque chose de mal, j'aime beaucoup mon mari, ne lui dis pas, Karine, s'il te plaît. Oh, laisse-moi te dire quelque chose. Oh, comme ça tu aimes ton mari? C'est toi qui ne fais que partager son côté bonheur. Karine, tu m'as vraiment déçue. C'est le diable. Ne parle pas des démons, Karine. C'est le diable. Non, 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 non. Je t'ai dit de t'en aller. Tu pensais que c'était de la blague? Tu es toujours là? Non, 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 non. Je ne peux pas le croire. Karine, je pensais que tu étais différente. Regarde cette lâche. Idiot. Idiote. Lâche! Salope fille! Lâche, t'es une lâche fille! Salope fille, lâche! Je savais que tu n'allais pas le laisser passer. T'as pris l'audace d'aller chez ma belle-sœur. Pour la dire quoi? Hein? Pour la dire quoi? Oh, cette femme. On va voir qui va se rire la dernière. Hein? Tu peux me fermer ta gueule, salope. On verra qui rira la dernière, salope. Laisse mon mariage tranquille. Laisse ma vie tranquille. Tu comprends ça? Si tu ne te respectes pas en restant loin de moi, j'en finirai avec qu'est-ce toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Toi, l'infidèle sans honte. Quoi? Toi? Moi, une infidèle, que veux-tu? N'est-ce pas une piste que je ramassais dans la rue, je donnais de l'aide? Tu te retournes contre moi? Tu me traites d'une infidèle, je te tuerai! Tu ne pourras rien faire! Tu ne pourras rien faire! Au fait, tu ne pourras rien faire que coucher avec plus d'hommes, comme habituel. Oh, vraiment? D'accord, je te donne raison. Neki! Neki! Tu y auras de mes nouvelles! Pite! Salope, idiote. L'infidèle. Je te montrerai de quelle bois je me chauffe, idiote. Tu ne pourras rien stupide faire. Tu sais pas pour coucher avec les hommes. Toujours courir derrière les hommes d'autrui. Pourquoi pas avoir le tien? Ma tante. Bonsoir, ma tante. Oui, bonsoir. J'ai acheté quelque chose pour toi. Ma tante, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, ma tante, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Néné est à la maison et je ne veux pas qu'elle sache ce qui se passe. Relève-toi et prends place.
Désolée, je sais que je fais quelque chose de terrible. Je suis vraiment désolée. Mais je promets que cela ne se répétera plus jamais. Comment as-tu pu? Comment? Hein? Je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Je ne lui ai encore rien dit jusqu'à présent et je n'ai pas le courage de lui dire. Mais je te conseille de arrêter avec tout ça. Ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas besoin de ça. Tu comprends de quoi? Oui, je comprends. La seule chose que je peux te promettre, c'est que je veux le convaincre de rentrer à la maison et de rester pour du bon, ou bien qu'il t'amène au Malaisie pour que vous viviez ensemble. Hey, mon tante, merci beaucoup. Tu me comprends au moins. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. Merci. Qu'est-ce que ça m'aurait profité si je lui disais la vérité que vous rompez votre mariage? Rien du tout. Merci. Merci. Mes sœurs, c'est ça ou? Hein? Hey! Je bénis Dieu pour ta belle-sœur ou? Ta belle-sœur, elle est vraiment bien parce que c'était vraiment évident. Oui! Si c'était ma belle-sœur, je serais déjà rentrée dans la maison de ton père. Mes sœurs, j'avais vraiment l'air de la raconter l'histoire. J'avais vraiment l'air. Cette femme-là, je lui dois tout, toute ma vie. Je vous dis? Oui, tu dois le faire. Oui, bien sûr, ma chère. La chose la plus importante, s'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Ah, jamais. Je me suis déjà conseillée moi-même. Tu ne peux plus me dire okay. Ça. Peu importe. Je pense que le mieux serait que vous ayez cet appareil qui m'aide à, mes, qui m'aide à faire presque tout. C'est pour votre bien. Excuse-moi. Pourquoi son nom est Adoudoumé? Karine. Selon Lorraine, notre amie, que cet appareil peut remplacer un homme. C'est l'assistant de toutes les femmes désespérées. C'est ça. Si Adoudoumé est une assurance, alors qu'est-ce que tu fais avec le sexe? Pour moi, je suis restée avec pendant 6 ans et Franck n'est rien d'autre qu'un accident. Alors, accidentellement, j'ai adopté ça. Ok. Pourquoi tu nous as fait appel à Karine et moi alors? Oh, vous deux. Vous êtes prématurément celles qui doivent adopter. Oh mon Dieu, Lorraine, tu es vraiment malade. Ok. Alors, qu'est-ce qui va faire à ce que Karine, une femme mariée, se plonge dans ces choses? Bien sûr que cela a été clinicalement accepté. Ah, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est? Sérieusement, c'est long pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Honnêtement, Karine, tu sais ce qui va se passer? Tu dois réellement être prudente. Tu dois arrêter, ça sera pour bientôt. Tu dois arrêter. Mais j'ai arrêté! Quoi encore? Oui. Karine, c'est la vérité. Tu as vraiment besoin de cet appareil. Bien en rôle. Je n'ai pas compris. Je suis perdue. Tu me dis que tu ne connais pas l'appareil masculin? Ok. Cet appareil génital est ce qui ne va jamais être prise. Mais je me suis déjà conseillée moi-même. Ok. Veut dire la prostitution. Si ça vient, bon. Si ça vient pas, je saute. Tu t'entends parler? Mais qu'est-ce qu'il y a de bon avec ces chiffres? Pourquoi tu ne cherches pas quelqu'un d'autre si tu veux continuer avec? Évidemment, tu ne comprends pas ce que je suis en train de traverser. Mon mari a dit qu'il ne retourne pas cette année. Jusqu'à l'année prochaine. Allez, chérie. Tu ne seras pas privée de sexe.
Je ne serai pas privée de sexe. Si on a dit que tu arrêtais avec les histoires de sexe, on a juste dit que ça ne peut pas être avec le chief. Si tu as eu des problèmes, c'est justement à cause de lui. Bien sûr. J'aime chief. D'ailleurs, il me donne ce que je veux. Le problème que j'avais avec Neki, c'est que je voulais tout. Mais maintenant, je suis prête à partager. Oui, parce que Chief, il est un homme généreux. Et il sait vraiment comment me donner en bas. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vous dis la vérité, oh, s'il te plaît. Ne joue pas avec ça. Nous, on joue pas avec ça, mais plutôt toi qui es en train de le faire. Je crois que je dois stopper avec toutes ces anciennes choses. Regarde le peine que je me suis moi-même endurée. Tout ça au nom du mariage. La plupart du temps, quand on s'est marié avant d'être chez son homme, maintenant, je dors sous l'intégralité d'accomplir les obligations du mariage. Oh mon Dieu! Housewives. Someone is lonely. Adequate tempting. Pretty ladies. Housewives. Someone is lonely. Adequate tempting. Maintenant, je suis plus la bienvenue. Comment je peux dire ça? Tu es la bienvenue. Je pense que je n'ai pas besoin de te dire que tu ne vas pas bien. Rose, tu es en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toutes dans le même bateau. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas. Je veux bien. Merci. Alors, dois-je te dire pourquoi je pleure? Dis-moi pourquoi tu es en train de pleurer et pourquoi tu te caches et le fait que tu deviens vraiment, vraiment très misérable. Ah. Ah. Tu te souviens de ce jour où on était nous deux au restaurant? Je n'ai pas besoin de préparer. Tu vas bien? Tu vas bien? Comment tu te sens? Je vais bien. Comment je peux oublier? Tu avais dit que tu avais un problème, je ne sais quoi. J'étais enceinte. Comment? Tu sais, les bêtises que les hommes font restent avec eux. Ça ne part pas vraiment du tout. Alors, je suis allée avorter. Docteur. Les résultats du test prouvent à suffisance que tu es enceinte de 4 mois. Félicitations. Mais pourquoi t'as figuré comme ça? Y a-t-il un problème? Docteur, s'il te plaît, j'ai pas besoin de cette grossesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais avorter. Je ne pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Nous ne sommes pas prêts pour avoir un enfant. Bien, je pense que tu devrais d'abord informer ton mari et avoir son approbation. Si tu veux avorter, tu dois d'abord lui informer. Ok. Oui, c'est comme ça. C'est bon alors. Je veux lui dire. Oui, tu as intérêt. Merci. Oui, prends très bien soin de toi. Tu es enceinte.
Je suis très content que tout soit très bien passé. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, comment va ton mari? Oh, il va très bien. Il t'envoie ses bonjours. Il dit que je dois te dire merci de tout ce que tu as fait pour nous. Et il est content. C'est bon, alors. Alors, rappelle-toi de toujours très bien prendre tes médicaments comme prescrit. Afin d'éviter certaines complications. C'est bien, docteur. Tout ira mieux. Je vais prendre. Merci. Merci beaucoup. Oui. C'est donc ça. Mais le docteur a une grande gueule. Oh, mon cher. Mac. Bien, où vas-tu maintenant? Ah, rien de spécial. Je faisais juste un petit jolie. Tour là. Ah, très joli beaucoup. Alors. Ah, wow. Comment wow. va wow. Moi aussi, je vais bien. En tout cas, la Malaisie est Malaisie très bien pour toi. Est tellement waouh. Et comment va Rose? Rose va bien, elle est à l'intérieur. Rose, je te demande encore, tu avais avorté, oui ou non? Tu as avorté, oui ou non? Mais c'était mon bébé, n'est-ce pas? Mais Rose, j'étais là-bas en Malaisie, j'ai souffré. Faire des travaux de misère, j'ai lavé les habits, j'ai lavé les toilettes, tout ça pour ton bonheur. Je t'envoie l'argent chaque week-end. Tout ce qu'il t'est manqué, c'est juste une petite patience. Une petite patience pour moi. Mais maintenant, tu as décidé de m'abandonner. Merci beaucoup. Tu remets tout ce qui est à moi. Oh Dieu, pardon. Oh Dieu. Je suis fini. Il est resté longtemps au Nigeria. Il ne me parlait pas. Ouché, je te dis que je t'ai désolée. Tu es désolée? Tu es désolée avec cette bouche? Tu veux me détruire? Roselyne! Bien, je retourne en Malaisie. Quoi? Tu me verras plus jamais ici. Non! Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît, Ouché! Ne me fais pas ça, je t'ai dit, je t'ai désolée! Je suis désolée. Et moi. Alors, il ne m'appelle jamais. Non plus. Et il ne prend même pas mes appels. Il se dérange même plus de ma santé. C'est même à cause de ça que j'étais venue l'autre fois emprunter de l'argent. Parce que je mérite tout ce qui m'arrive. Je suis pas en train de te blâmer, Rose. Et je crois pas que ce soit le bon moment pour ça. Oublions la grossesse, même pour la maladie. Pourquoi tu n'as pas utilisé les préservatifs? Et
Tu ne pouvais pas donner l'argent à ce docteur de fermer sa bouche. Tu pouvais lui donner l'argent qui la boucle. Oh, même si je lui donnais tout l'argent du monde. Oh, ma Roselyne. Someday, somehow, it will come up. Someday, somehow, it will come up. So watch your step. Watch your life. I say, watch your step, watch your life.
bébé. Oh, chérie. Oh. Oh. En tout cas. Oh. Satisfaction, oh, in a true Jidekwe Maka. Now, what in that they fight for a draw? Malaysia mommy, she be there for your husband. Now, what in you they fight outside you? Malaysia swag, she be there for your body. You never know, say, true love. Now, faithfulness, Malaysia mommy, she be there for your husband. That in the way you they look. Go see a Malaysian swag, she be there for your body. Aye, this kind of movement is very risky. This kind of movement is now. Melele, ma. Aye, melele, ma. Melele, ma. Aye, melele. Ma chérie, bienvenue au paradis. Oh, waouh. Oh, arrête ça, s'il te plaît. C'est tellement beau. Ma chérie. Oh. To die with the devil is never a problem. Please don't worry, come back. Thank you.
chérie. Regarde-toi. Je sais. Très jolie. Tu es beau. Vraiment. Je veux bien, chérie. Et toi? Oh oui, chérie. Tu sais que tu me manquais. Ouais. Ok. Merci. Merci. Ok. Laisse-moi ouvrir le portail pour toi. Ça va. Ah oui. Ah, ne te dérange surtout pas. Ne t'en fais pas, je vais transporter les tout. Ma chérie, je remercie beaucoup l'Éternel. Hey! Et éventuellement, ils ne t'ont pas fait du mal. Et écoute, nous devons dénoncer cela. Oui. Non, j'ai pas besoin de fêter cela. Non, j'ai pas besoin. Pourquoi? De quoi tu parles, toi? Si tu sais que c'est la raison principale pour laquelle tu es venue. Je sais. Hein? Je sais. Et tu penses qu'il est facile pour un voleur de prendre ton véhicule et s'en aller sans pouvoir te faire du mal? Oh non, arrête. Nous devons en tout cas les célébrer. Bébé, tu as complètement raison. Mais tu sais comment c'est. Tu vas faire la fête, tu vas inviter tout le monde et ça va faire du bruit. Toi, tu vas partir en Malaisie et tu vas encore me laisser toute seule. Je ne veux pas être exposée. C'est ce que tu voulais? Ok. Alors, je peux te trouver un nouveau véhicule? Oui. Bien sûr. Ok. Bien sûr que tu vas m'acheter. Et je t'en trouverai une nouvelle. Je t'en trouverai une nouvelle véhicule. Merci, chérie. Je t'achète un véhicule. Ok, oui. Je vais vraiment beaucoup aimer. Alors, quand et où cela s'est passé? Oui, officier, vous savez, je ne vis pas ici. Mais ma femme m'avait reporté que ça s'est passé le 24, juste au centre-ville. C'est très bien. Avec ces documents de voiture, ça va nous aider à bien mener nos enquêtes. Il n'y a pas de problème, ça c'est bien. D'accord, alors, s'il vous plaît, c'est important. Alors, je vais vraiment la voir avant que je ne rentre. Pas de problème. Merci. Allons-y. Oh, you have seen it all. But now you have seen it all. Nobody felt at all. No one do you this. Now you do yourself. Nobody did it to you. Now you do yourself. You have seen nothing in this life is hidden. Tu me manques tellement. Je sais que pour moi, c'est la fin du monde. J'ai échoué dans mon mariage. Dans cette maison, il n'y a plus de place pour moi.
J'étais moi-même la cause de tout ça. Une autre vie. Si tu veux rester avec moi. Oui, une autre vie. Mais avec moi. Reste avec moi. Dans notre maison. Toi et moi, ensemble pour toujours. Je t'aime. Je t'aime aussi, Uche. Uche. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Do yourself. L'argent est bon. L'argent est bon. Oh, tu as découvert ça aussi. Oui, hein? Je trouverai ça. Oh. Ok. Oh. Maman, imagine ma collègue de classe. Elle voyage dans tout le pays de son choix. Tu es sérieuse? Hey! Elle m'avait dit qu'elle va voyager à... Il y a quelqu'un à la porte. Mon oncle! Hey, hey. C'est mon frère! Oncle, tu es le bienvenu. Oh, tu es le bienvenu. Oncle a apporté quelque chose pour nous. Oh. Mais pourquoi tu as cette humeur? J'espère mon oncle a un problème. Qu'est-ce que c'est? Ma soeur. Oui. Est-ce que tu sais que ma femme était en train de me tromper? Hein? Quoi? Mais comment tu sais tout ça? Ma soeur, ça fait 2 semaines que je suis au Nigeria. Et je me suis donné cette peine-là de pouvoir la filer partout où elle va. Et elle ne sait même pas que je suis au Nigeria. Comme ça, elle ne sait pas que tu es à la ville? Elle ne sait même pas. Je suis juste venu pour attester quelque chose et rentrer en Malaisie. Je me suis dit, comment ça? Comment je peux être au Nigeria sans voir ma femme? Il faut que je suis auprès de ma femme. Et j'ai essayé de fréquenter un ami. C'est lui qui va me dire que ma femme couche avec n'importe qui. Hey! Parmi ces gens-là, il y a un monsieur qu'on appelle Chief qui s'abuse de ma femme. Ah, ah, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les commérages. Est-ce que de toi-même, tu as essayé de faire quelques investigations? Jusqu'à présent, elle continue toujours? Non, mes grandes sœurs, là n'est même pas la question de pouvoir l'attraper. Tout ce qu'elle m'a raconté autour de ma femme n'a s'avère que vérité. Elle n'est même pas seulement en train de coucher avec Chief, c'est avec d'autres garçons avec qui elle couche. Ma propre femme, dans ma propre maison. Tu es sûr? Non, mes grandes sœurs, qu'est-ce que tu racontes? J'ai les clés de mon appartement. Je suis entré dans mon appartement et j'ai vu des différents hommes en train de prendre bain dans ma chambre. Hi. En train de faire l'amour sur mon lit. Ils ont tout fait à ma femme. Et ma femme est en train de gémir. Et elle n'a jamais gémi comme ça avec moi. Jamais, ma soeur. Quelqu'un avait frappé? Ah, maman. Elle a dit qu'elle criait. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas. Ma soeur, la femme que tu m'as trouvée est une prostituée. Hey! Et je t'avais très bien dit avant que tu ne puisses me faire pression, que je puisse me marier. Je t'avais bien dit que je n'étais pas prêt, je connais ces filles. Peut-être, je pense que c'est à cause de ses fesses. Beaucoup d'hommes aiment les femmes qui ont des grosses fesses. La prochaine fois que tu voudras d'une femme, cherche une femme qui a une taille. Tu sais de quoi je parle. Qu'est-ce que ces fesses ont à voir avec le mariage? Je prends tous les risques en Malaisie. Je fais un effort de la rendre, de la mettre à l'aise. Prenant tous les genres de risques, juste pour m'épouser ma femme. Et elle se rige à me tromper. Ma jolie femme, tu es tellement jolie. Je dis, un mariage, c'est quand un homme et une femme vivent ensemble.
C'est sûr, nous sommes mariés. Mais nous ne vivons pas ensemble. Pour cette raison, tu as été exposé au danger des hommes. Et ceux de ta propre peau. C'est sûr, j'étais tellement déçu de ce qui s'était passé. Mais tu restes quand même ma femme. Roselyne. Roselyne. Je te pardonne. S'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Et je te promets de ne plus jamais te tromper encore. C'est très bien. Très bien. Je te pardonne. Merci. Une autre chose que j'aimerais t'en parler. J'ai décidé de rester ici au Nigeria et commencer mes affaires ici. Tu es sérieux? Vraiment sérieux. Oh mon Dieu. Chérie, c'est la plus belle nouvelle que j'ai jamais entendue. Merci beaucoup. Merci. J'aime quand tu es heureuse. Si jamais on voyage en Malaisie ou un autre contrat ailleurs, on va aller ensemble. Ah. Mon Dieu. Maintenant, je suis une femme comblée. Non seulement comme une femme, mais aussi comme une madame. Vraiment, je t'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Ah. I've been telling you to take it easy. You told me that this life is sweet. I've been telling you to take it slow. You told me that this life is milk. But now you have seen it all. But now you have seen it all. Nobody felt at all. No one do you this. Now you do yourself. Qu'est-ce qui se passe ici? Bébé, s'il te plaît, c'est le diable. S'il te plaît. Je ne suis pas fâché. Et maintenant, vous êtes en train de m'énerver. Parce que vous avez stoppé. Oh! Pourquoi avez-vous arrêté? Oh. J'étais en train d'apprécier, admirer ce gémissement. Oh, bébé, tu es en train de gémir comme un chat. Tu n'avais jamais gémi de la même manière, même s'il arrivait que tu jouisses. Ce qui signifie que ce garçon est merveilleux. Oh. Et maintenant, je vois que c'est un homme idéal. Et je veux que vous puissiez commencer la deuxième mi-temps. Je suis désolée, c'est le diable. Non, mais arrête de dire ça. À chaque fois que tu le dis, tu m'énerves. Oh. Et là, tu vas vraiment m'énerver. Et tu sais très bien ce qui arrivera si tu m'énerves. Et maintenant, vous allez retourner et vous allez me donner ce plaisir à vous entendre gémir. Ne vous en faites pas, je vais juste entendre ça. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Oh. Dis, monsieur. Vas-y. Je vous supplie, s'il vous plaît, commencez. Est-ce que je peux comprendre que tu cherches à me désobéir? Je pense t'avoir donné une simple instruction. Et tu as refusé de m'obéir, alors tu m'énerves. S'il te plaît, monsieur, pas. Arrête, tais-toi! Tu as pris les risques d'entrer dans ma maison! Tu ne t'es pas renseigné? Tu as pu entrer dans ma chambre, moi qui suis un Malaisien.
Tu ne t'es pas renseigné. Tu n'as même pas pu être au courant de ce que je suis capable de te faire. Tu sais ce que je faisais en Malaisie? Tu sais ce que je fais en Malaisie? Est-ce que tu sais ce que je fais là-bas pour avoir cette vie? Je suis parti, je me suis déminé, je me suis fait un effort pour comme tout homme dans la vie. Et tu as pris le culot de venir chez moi à la maison avec le culot pensant que je ne peux jamais te repérer. Oh. Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais je suis désolée, vraiment désolée. Tais-toi. Alors, debout. Ne t'en fais pas parce que je ne vais pas te tuer. Comme je t'avais dit, je ne suis pas en colère. Je m'étais juste mis en colère parce que vous aviez refusé de faire l'amour pour une deuxième fois. Mais maintenant, ce que vous allez faire pour moi, c'est... Ah. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pourquoi? Je suis un chrétien. Et si je vous tue maintenant, je devrais aller me confesser. Et si je me confesse, je devrais normalement être inculpé pour meurtre. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Maintenant, vous savez ce que je vais faire pour moi? Vous allez faire ceci. Tu vas partir avec ces messieurs. Je suis désolée. Ma très aimable femme. Vous récupérez tout ce que vous avez comme affaire ici et vous partez. Si vous le voulez, vous pouvez partir avec tout ce que j'ai pour avoir. Même avec le véhicule, ce n'est pas un problème. Mais si je te vois encore proche de ma maison, tu sais ce que je te ferai? Tu sais ce que je te ferai? Je vais certainement bloquer mon arme dans cette chose que tu utilisais pour me voler. Et je tirerai. La vie est ainsi faite. Alors, maintenant dis-moi, qui a gagné? Toutefois, j'ai pensé que je devais te souhaiter bon retour à notre pays. Jusqu'à ce que tu es stupide. Tu n'as pas perdu ta mémoire. Après avoir détruit mon mariage, tu as toujours cette audace-là de te mettre devant moi pour me dire des bêtises. Tu es folle. Lorsque tu étais occupée, courant après un homme qui n'était pas du tout le tien. Oh, d'accord. Voyons et regardons qui rira la dernière.
S'il te plaît, dégage, imbécile. Juste courir derrière les hommes d'autrui. Mon ami l'a mariée. Dégage. Stupide. En tout cas, félicitations, vous avez fait un très bon travail. Ça, c'est le monsieur qui a volé la voiture de ma femme. Oui, mais il y a un petit souci. Et c'est quoi? Ce monsieur réclame que c'est votre femme qui lui a offert cette voiture. Quoi? De quoi c'est tu parles? C'est bien la vérité, c'est bien la vérité. On m'a donné ton véhicule, t'en parles ta femme juste pour mon anniversaire. Je te dis la vérité. Tu peux même demander à ta femme, s'il te plaît. Je ne suis pas un voleur, je suis pas un voleur. Demande-lui, je n'ai jamais... Comment je peux venir voler un véhicule? Et où est le véhicule? À la station. Ok. Ok, vous savez quoi? Je comprends. Allez apporter le véhicule à la maison, ok? Ok. Essayez de le délier, on va discuter un peu. Pas de problème. Okay. C'est très bien. Est-ce que tu peux maintenant les détacher? Merci, officier. Officier, s'il vous plaît, quand vous allez revenir avec le véhicule, essayez de le garder, ok? D'accord, d'accord, monsieur. D'accord. Prends place. Viens te mettre, j'ai besoin de toi aussi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Écoute, prévenu que ces choses allaient nous déranger. J'avais prévenu. N'accepte même pas que je t'ai donné ça comme cadeau. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Tu as entendu ce que je dis? Jeune homme, qu'est-ce que tu avais fait à ma femme? Je n'ai absolument rien à faire avec votre femme, monsieur. C'était juste un cadeau. Elle m'avait donné autour de mon anniversaire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai absolument rien à faire avec votre femme. Je jure au nom de Dieu, je n'ai rien à faire. Fais-toi cette faveur de m'expliquer. Qu'est-ce que tu as avec ma femme? Monsieur, c'est votre femme, non? C'est votre femme, elle est comme une maman pour moi. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Je vais faire quoi avec... Tu ne veux pas me dire la vérité.
Tu vas te taire. Désolé, tais-toi et dis-moi ce que je vais entendre. Qu'est-ce que tu as avec ma femme? Je le faisais. Chérie, il ne voulait pas de... Tu couches avec ma femme? C'est pas ma faute. Non, il m'a jamais touché. Tu vas te taire, toi. Je t'ai juste pas dit que j'ai donné la voiture chez... auprès de quelqu'un d'autre. Oui, c'est parce qu'il couche avec toi. Voilà le pourquoi. Désolé. Et toi? Désolé, je ne veux plus faire ça plus jamais. Hé, tais-toi. Et toi? Avec toutes mes souffrances, après m'être sacrifié pour rendre ta vie meilleure, c'est de cette façon que tu m'as payé. Ça, c'est la seule façon que tu pouvais me remercier. Bébé, je suis désolée. Tu es désolée? Tu n'as pas honte, toi. Mais ne t'en fais pas. Je sais ce que je dois faire. Toi, tu vois, d'accord. Je sais ce que je vais faire. Hé, n'ose même pas. Officier, je veux que tu reviennes à la maison maintenant. Oui, rentre à la maison, s'il te plaît. Merci. Pardonne-moi, monsieur, pardonne-moi. Moi, je ne vais plus recommencer, pardonne-moi. Tu sais ce que tu mérites. Est-ce que tu sais ce que tu mérites? Qui est-ce? Qui? Qui est mon ami? Hey, mais qu'est-ce que tu fous ici? Mon ami, tu ne peux pas me poser cette question. Parce que tu connais très bien qu'on doit finir ce qu'on avait commencé. La perdante était moi. Maintenant, on saura qui sera encore la perdante. Karine. S'il te plaît, je t'en prie, ne blague pas. Un pas en arrière. Karine, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Karine, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je t'en prie. Karine, tu veux bien fermer ce que tu appelles bouche? Tu ouvres ta bouche pour me dire que je suis ton amie? Qu'est-ce que j'ai dû te faire? Je t'ai ramassée, je t'ai nourrie. J'étais habillée, j'étais enseignée. Et qu'est-ce que tu me payes en retour? Tu as éloigné mon mari loin de moi. Je pense que c'est assez bon pour toi. Tu as détruit mon mariage. Et là, tu m'appelles ton amie? Karine, encore un seul mot de ta bouche. Je balance cette balle sur toi. S'il te plaît, Karine, écoute-moi très bien. Je suis ton amie, je le sais. Je suis mauvaise, je le sais. Mais tu ne peux pas faire ça. Oh. S'il te plaît, Karine, pense à moi. Pense à notre amitié. S'il te plaît, regarde, qu'est-ce que les gens diront. S'il te plaît. Ferme-la! Nous sommes des meilleurs. Stupide, idiote, nank. N'es-tu toujours pas stupide? Idiote. Ça, c'est pour toutes mes peines et d'avoir détruit mon mariage. I've been telling you to take it easy. You told me that this life is... Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je suis devenue? Naki est morte! Je l'ai tuée! Je ne me sens plus mieux. Ah! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh!
You have seen nothing in this life is hidden. Pardon. Maman, attends, non? Ce mariage ne marchera pas. Pourquoi? Oui! Écoute, je ne veux pas que quelque chose m'arrive deux fois pour que j'ai au moins la conscience. On parle de James ici. Je sais que c'est James, mais laisse-moi te dire quelque chose. Jusqu'à ce que tu aies ton visa pour aller en Afrique du Sud, sinon, il n'y aura pas de mariage jusque-là. Ce n'est pas un problème. C'est ça mon problème. Il n'y a pas un problème, non? S'il te plaît, hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas que ce qui s'est passé avec ton oncle t'arrive aussi. Il ne voulait pas amener sa femme. Et tu vois ce qui est arrivé? Sois calme, maman. James est sur le point de devenir boss. Tu penses qu'il n'y a pas des hommes qui font ça juste après leur mariage? Bien sûr qu'il avait laissé sa femme pour voyager. La faute était la femme. La faute ne vient pas seulement de la femme. S'il avait amené sa femme à l'étranger, on n'allait pas avoir tous ces drames. Maman, t'inquiète pas à propos de ça, ok? On a déjà parlé de ça. Toi et qui? Moi et James. Vous vous êtes trouvé un compromis. Oui. On ira ensemble. Jusqu'à ce que je vois les tickets. Maman, s'il te plaît, sois heureuse, non? Ce n'est pas question d'être heureux. Je me préoccupe de ton futur. Je ne veux même pas que tu restes avec moi ici pour le reste de ta vie. Quand tu dis que tu vas me manquer. Elle dit encore qu'elle va me manquer. Oui, bien sûr, tu vas me manquer, oui. Oh. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sharp, sharp ladies, housewives, someone is lonely, adequate tempting, pretty ladies, housewives, someone is lonely. All the way from Malé, Paso to Kualo down, Yegi weka wanku, Manoka for Dolo Wantinti. Opportunity, satisfaction, oh in a trum. Jidekwe maka, okay, maybe we fell. Okay, maybe we fell. Shep, shep, ladies, housewives. Someone is lonely, adequate tempting, pretty ladies,
housewives. Someone is lonely. Someone help me. Hey, yeah, oh, 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 oh. Hey, yeah, oh.